Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première séquence de Fidèle, pour cette nouvelle session 2022-2023, voilà, qui va commencer aujourd'hui et qui se terminera en mai, et durant laquelle on va avoir l'occasion comme ça de découvrir un petit peu le deep learning à travers une vingtaine de séquences. Voilà. Donc cette première séquence aujourd'hui sera dédiée à l'histoire, aux concepts de base, aux concepts fondamentaux du deep learning, des réseaux de neurones. Et on va, voilà, on va découvrir un petit peu ça tout au long des 3 heures de cette première séquence. Alors tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe Fidèle. C'est moi que vous voyez aujourd'hui, mais voilà, on est nombreux, on est une vingtaine à préparer, travailler, vous accompagner, animer toute cette vingtaine de séquences. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais voilà, vous avez tous les noms à l'écran. Et puis, un certain nombre d'entre nous sommes présents aujourd'hui. On ne va pas tous être présents à chaque fois, mais qui répondront à vos questions et qui animeront les prochaines séquences tout au long de cette nouvelle saison. Voilà. Alors, on a nos petites photos générées par une intelligence artificielle. On a pu résister au plaisir de jouer avec ces textes to image, ces nouveaux services qui sont apparus. Alors, pour dresser des portraits d'ingénieurs en train de travailler devant un ordinateur, ça marche assez bien. Alors, c'est des ingénieurs en train de travailler devant un ordinateur et dessiner comme l'aurait fait Léonard de Vinci et en couleur. Voilà, c'est typiquement la description textuelle qui est donnée à l'IA et qui nous a généré nos portraits comme ça. Après, quand on lui demande de dessiner une baleine rouge, que vous voyez à droite en bas, ça se passe beaucoup moins bien, quoi. Voilà. Bon, on verra un petit peu, ça fera partie des choses qu'on découvrira durant cette nouvelle saison. Voilà. Alors, on n'est pas seul, on est soutenu par nos institutions, hein. C'est un projet important qui est porté donc par l'Institut d'intelligence artificielle de Grenoble, le MIAI et celui de Toulouse, l'ANITI aussi d'ailleurs, dans le cadre de l'École française d'intelligence artificielle, le projet EFELIA. C'est porté également par le CNRS, par le biais de la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires, la MITI du CNRS, via les réseaux Devlog, Res Info Calcul, ainsi que mon laboratoire CIMAP et l'Université Grenoble-Alpes. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Oui, et puis bien évidemment, le centre de calcul du CNRS, je citais le CNRS, mais en particulier l'IDRIS, dont font partie. Presque voilà l'essentiel, je dirais même, de cette équipe fidèle et qui nous soutient et qui nous accompagne et qui nous anime une grande grande partie de majorité de ces séquences d'aujourd'hui. Voilà, merci encore aux collègues de l'IDRIS. Avant d'attaquer les choses sérieusement, quelques petits points. Alors, on est en distanciel. On aurait préféré être en présentiel, mais c'est pas facile. Voilà, on est nombreux et donc on est donc en mode distanciel, ce qui permet comme ça d'être aussi nombreux et de pouvoir faire comme ça cette séquence au fil du temps. Alors, ça a été un long débat, mais l'occasion aussi, c'est de pouvoir faire des séquences courtes, denses, très denses, vous verrez, mais relativement courtes, plutôt que de faire une semaine temps plein tout aussi dense. Voilà. Alors, on fait de notre mieux, ce n'est pas toujours évident. Donc, excusez-nous s'il y a des petites imperfections, si le son des fois est un peu coupé ou si on n'est pas très précis sur tel ou tel point. N'hésitez pas à nous faire des retours et on essaiera de progresser, de nous adapter, de faire au mieux et encore mieux. Voilà, pour nos collègues doctorants et puis pour tous ceux qui le souhaitent, bien évidemment, qui ont besoin, des attestations de présence seront disponibles. On verra ça en cours de séquence. Voilà, on fera signer, entre guillemets, une petite feuille d'émargement numérique de manière à pouvoir récupérer vos attestations de présence, alors que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez sur la session Zoom. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle procédure qu'on a mise en place cette année qui, on l'espère, marchera correctement. Voilà. Donc ça va être un peu le baptême du feu, encore une fois. Voilà. On fera, alors pas aujourd'hui, mais on fera un petit sondage à un moment donné pour mieux vous connaître aussi et essayer comme ça d'adapter un petit peu nos contenus à vos attentes. Alors, les objectifs de cette formation, alors si vous avez assisté, on va passer très rapidement dessus, mais c'est important de revenir un petit peu dessus. On a 4 objectifs importants, donc on les a vus pendant la présentation de saison, mais on peut revenir dessus parce que c'est assez important. C'est tout d'abord de vous proposer un panorama, un premier contact avec le deep learning, donc l'apprentissage qui s'appuie sur les réseaux de neurones profonds.
pour en comprendre les concepts, les bases. Alors, c'était au départ, voilà, faire un panorama un petit peu rapide du deep learning. Et puis, voilà, au fil des saisons, on a enrichi un petit peu les contenus. Et vous verrez, ça va nous permettre d'aller dans des aspects assez pointus et de nous rapprocher, on va dire, de l'état de l'art, nous rapprocher très près de l'état de l'art et de ce qui se fait de mieux dans le domaine du deep learning. Voilà. On va graduer un petit peu comme ça cette appréhension des réseaux de neurones profonds. L'objectif, c'est aussi, et tout aussi important, hein, de développer une première expérience sur ces outils, autour de ces technologies, alors que ce soit en termes de concept, mais aussi en termes de quincaillerie, hein, en termes d'outils, d'utilisation de librairies, de pouvoir produire, d'implémenter des solutions dans le monde réel. Voilà, donc c'est développer une première expérience et sur des cas, on va dire, qui soient réellement significatifs, pas que des. Voilà, on va quitter un petit peu, on essaiera de quitter un petit peu les bacs à sable pour nous côtoyer, voilà, nous confronter, on va dire, à des vraies problématiques avec des vraies données un petit peu bruitées qui sont pas parfaites. Voilà, c'est aussi l'occasion de pouvoir découvrir les ressources mutualisées, les bonnes pratiques. Ça, c'est très important. On est sur des problématiques complexes. Les travaux pratiques que l'on va faire, on va les faire avec des outils réels. C'est les mêmes outils qu'on utilise, que ce soit dans l'industrie ou dans nos laboratoires. On est à l'échelle 1, il n'y a pas de doute là-dessus. Les environnements que vous avez utilisés, vous avez installés, pardon, et que l'on va utiliser ne sont pas simples à installer, hein, vous avez pu le voir, mais ce sont des vrais environnements, hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas, on est dans le monde réel avec les vrais outils qu'on utilise partout, dans les vrais centres de calcul et aussi. Voilà, et donc, un des objectifs aussi, ce sera de découvrir un petit peu d'une part, ces outils, mais aussi les environnements dans lesquels on peut faire du machine learning, dans lesquels on peut mettre en œuvre ces algorithmes, ces outils. Voilà, notamment en termes de ressources mutualisées, de centres de calcul, qui ne sont absolument pas réservés au monde académique, hein, c'est disponible, y compris pour les entreprises privées. Voilà, c'est pour tout le monde. Voilà, et puis, dernier point, et non des moindres, c'est aussi l'occasion, un des objectifs aussi, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir partager entre nous, et que vous puissiez partager entre vous. Toute l'expérience, les difficultés, les solutions que vous trouvez dans vos différents projets, que ce qu'il puisse y avoir aussi un petit peu d'échange. Donc, on aura une séquence exprès dédiée, on va dire, à la présentation de vos projets. Mais voilà, n'hésitez pas à utiliser les chats ou à nous contacter voilà, si vous avez envie de partager quelque chose. On essaiera de trouver les dispositifs qui vont bien, de manière à favoriser ces échanges. Voilà, vous pouvez tout récupérer, vous pouvez récupérer tous les contenus de cette présentation, enfin de ces présentations, de toutes les séquences, alors que ce soit les supports de cours en PDF, que ce soit évidemment l'environnement de travaux pratiques. Alors, l'environnement de travaux pratiques, mais c'est un environnement de travail, encore une fois, le véritable environnement de travail avec lequel on travaille tous, nous qui travaillons dans ce domaine-là, avec lequel vous travaillerez aussi. Alors que ce soit TensorFlow Keras ou PyTorch, mais c'est exactement le même environnement que l'on retrouve partout. Voilà, donc ça, vous pouvez tout retrouver. Vous allez commencer à installer, tous commencer à installer vos environnements à partir des procédures que nous vous proposons. Et puis, vous pouvez retrouver évidemment, alors dans cet environnement, vous récupérez les datasets, vous récupérez les notebooks et vous récupérez tout l'environnement Python. Et puis, vous pouvez récupérer bien évidemment toutes les vidéos de ces présentations, de ces différentes séquences. Sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Voilà. Alors, pour finir, hein, presque finir, trois liens importants. Déjà, le lien du site fidel.cnrs.fr, sur lequel vous pouvez tout récupérer, récupérer toutes les informations utiles, pratiques, les liens vers vers les environnements, les dates, les rendez-vous, les paramètres Zoom, etc., etc., etc. Donc, fidel.cnrs.fr et la liste d'informations à laquelle vous pouvez vous abonner, liste info, enfin sur fidel.cnrs.fr/liste info. Vous avez le lien sur le site Fidel pour bien être sûr de récupérer toutes les informations pratiques. Voilà, deux autres listes extrêmement utiles et importantes. Les listes des réseaux transverses, technologiques transverses, Devlog et du groupe Calcul. Devlog regroupe tous les développeurs du monde académique, alors développeurs que ce soit pour faire des sites web ou pour faire du calcul scientifique.
donc du monde académique. Donc vous avez l'URL de cette liste thématique transverse, technologique transverse, pardon. Et puis, vous avez le groupe calcul aussi, qui regroupe toutes les, bah, tous celles et ceux qui font du calcul intensif, petit ou gros calcul, dans notre monde académique. Voilà, vous pouvez vous abonner à ces trois listes, en fait, mais notamment à ces deux dernières listes, de manière à pouvoir échanger librement. Alors, la liste info, c'est une liste d'informations, donc c'est de type newsletter, vous ne pouvez pas contribuer dedans. Par contre, les listes devlog et la liste calcul sont des listes qui sont ouvertes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes abonné à cette liste, vous pouvez librement poser vos questions, échanger et dialoguer avec tous les membres de la communauté, donc du développement du côté de devlog et du calcul du côté de calcul. Voilà. Ces deux réseaux sont parmi nos sponsors, nos accompagnants, nous aident et on s'appuie entièrement dessus pour monter, faire vivre cette formation. Voilà. Pour toutes vos questions, nous vous proposons, alors puisque en fait on est partagé entre Zoom et puis YouTube, on est pratiquement aussi nombreux d'un côté comme de l'autre. Donc, il y a une boîte à questions qui existe dans Zoom, mais pas dans YouTube. Donc, nous vous proposons un outil voilà, qui s'appelle Q2A, Question to Answers, qui permet de poser, de gérer les questions. Donc, voilà. Propose. Alors, pour les discussions, utilisez les chats, ils sont très bien, tout à fait disponibles pour ça, et tout à fait adaptés pour ça. Par contre, pour les questions, on vous propose voilà, d'utiliser cette URL et ce service. Voilà. Si quelqu'un, merci Léo de remettre l'URL du côté de Zoom. Si quelqu'un peut aller remettre l'URL du côté de YouTube, ce sera parfait. Voilà. OK, bon, ça, c'est une image animée, mais dans un PDF, ça ne s'anime pas. Vous imaginez ce qui peut se passer avec les petites boîtes. Mais on va essayer de passer voilà, à quelque chose de plus rigolo et de notre contenu, de notre sujet. Voilà. Alors, je disais qu'il y avait une vingtaine de séquences qui sont prévues. On ne va pas toutes les passer en revue, mais on va s'intéresser à notre première étape sur les concepts fondamentaux avec deux cas pratiques, deux premières mises en œuvre fondamentales hein, qui sont le cas de la régression, une régression classique, prévoir, prédire une valeur, prédire un résultat, et puis le cas de la classification, on va s'efforcer de chercher à classer, en l'occurrence, des petites images. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver la totalité de ce programme et de sa description sur notre site, hein, fidel.cnrs.fr, pour en avoir tous les détails. Voilà. Alors, première séquence, histoire et les concepts basiques, les concepts fondamentaux, pardon, traduction en temps réel n'est pas toujours évidente, de notre histoire, de notre deep learning. Alors, la première question que l'on pourrait se poser, hein, c'est quel est l'intérêt de l'intelligence artificielle alors que, bon, voilà, l'intelligence, entre guillemets, avec un gros point d'interrogation, il faut la définir, est quelque chose qui marche très bien dans le vivant. Alors, l'ensemble du règne du vivant, on peut parler d'intelligence végétale ou animale, etc. Et dans le cas du vivant animal, comment, alors du vivant animal tel que nous, mammifères par exemple, alors, comment fonctionne un neurone artificiel, comment peut-on mettre en œuvre ces processus intelligents, ces processus cognitifs. Et puis, ben, comment on a réussi, comment se sont imposés finalement ces neurones artificiels. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser dans cette première étape. Et on va s'intéresser à ça sous deux aspects. Donc, on va regarder, bon, après une petite introduction rapide, on va regarder un petit peu comment on est arrivé aux neurones artificiels par le chemin des mathématiques, à travers la régression linéaire, notre bonne vieille régression linéaire, comment on est arrivé aux premiers neurones. Et puis, on verra aussi sur un plan davantage historique, alors je ne dirais pas philosophique, mais en tout cas sur un plan davantage intellectuel que strictement mathématique, comment ces fameux neurones, comment cette approche d'apprentissage machine par des réseaux de neurones a fini par s'imposer sur nos 50, 60 dernières années. Voilà, ça ne s'est pas passé tout seul, mais on verra comment ça s'est passé. Et puis, voilà. Donc ça, ce sera la première partie. Et puis, la deuxième partie, une, deux et trois. Deuxième chose importante, ce sera de mettre en pratique, de faire fonctionner pour de vrai des réseaux de neurones et d'implémenter nos deux premiers modèles, nos deux premiers réseaux de neurones, avec le cas d'une régression et puis le cas d'une classification. Voilà notre plan de vol aujourd'hui que l'on va voir maintenant. Alors, introduction, on va dire basique.
Alors, dans l'histoire des sciences, on a eu trois grandes étapes, enfin, on peut identifier trois grandes étapes. Donc ça a été théorisé par Jim Gray en 2007, qui a eu l'intelligence effectivement, de décomposer un petit peu de cette manière-là l'évolution, on va dire, de la méthode scientifique. La première phase, ça a été un petit peu de faire de la science expérimentale. Donc là, on essayait de construire quelque chose, on faisait une expérience, on regardait comment ça se passait. Et puis, si ça marchait, on capitalisait. Si ça ne marchait pas, on essayait une autre voie. Et globalement, ça se passait très bien, puisque c'est comme ça qu'on a réussi à construire des maisons, des cathédrales, donc des choses très complexes sur des périodes très grandes et qui ont tenu. Si on prend une cathédrale qui tient debout depuis 800 ans, on a quand même quelque chose qui marche bien, une approche qui est quand même très efficace et qui a fait ses preuves. Voilà. Je ne suis pas sûr que toutes nos constructions en béton aujourd'hui, avec toute l'intelligence et toutes les ressources dont on dispose aujourd'hui, réussissent à durer 800 ou 1000 ans comme ça. Mais en tout cas, cette première approche expérimentale a fait ses preuves, mais a atteint aussi ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre d'essayer de construire quelque chose comme une tour Eiffel et de voir si ça tient vraiment. Donc là, on a eu une deuxième phase qui consiste à avoir une approche théorique, c'est-à-dire qu'on a un modèle mathématique, des équations. Alors, on a Newton, on a toutes les lois de la mécanique, etc., l'électromagnétisme et d'autres, qui, comme ça, à partir d'une modélisation mathématique, permet d'imaginer ce que ça va faire, ce que l'on va construire, avant de le construire réellement, d'expliquer un petit peu ce qui se passe quand on a une difficulté pour en trouver une manière de contourner le problème auquel on est confronté. Voilà. Alors ça, cette deuxième approche, a été très efficace à partir du moment où les mathématiques, où la physique se sont développées. Et ça nous a permis, comme ça, de construire effectivement des bâtiments beaucoup plus grands, comme la Tour Eiffel, que je citais, ou des voitures, des automobiles, des avions, des choses comme ça. Voilà, donc on avait une modélisation, et puis ça permettait, comme ça, de comprendre un petit peu ce que l'on faisait. Après, avec l'émergence du développement de l'informatique, le développement de la puissance de calcul dont on dispose, qui est apparue à partir on va dire, des années 50, après-guerre, en utilisant la puissance de calcul d'un côté et puis ces modèles mathématiques qu'on avait pu construire à partir d'équations, on a pu, comme ça, faire des calculs de plus en plus complexes, modéliser des phénomènes de plus en plus complexes, de plus en plus importants, d'une manière de plus en plus précise. Et aller encore plus loin, plus haut, plus vite et construire plus grand. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le monde dans lequel on est encore aujourd'hui. Cette approche, comme ça, cherche la traduction en français de science computationnelle, on va dire, avec un vilain anglicisme, quelque chose qui marche très bien. Et ce que Jim Gray nous a proposé, enfin nous a montré, nous a théorisé en fait, c'est que on rentre dans une nouvelle ère, dans une nouvelle approche complémentaire qui est ce fameux quatrième paradigme qu'il a proposé en 2007, pour dire bon, ok, c'est très bien tout ça, ok, on peut faire de l'expérimental, on peut faire de la modélisation, on fait du calcul, etc. Mais tout ça nous apporte des données en fait. Et puis, uniquement à partir de ces fameuses données, en regardant simplement les données, on va pouvoir faire de la science, on va pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionnent, comment se passent les choses dessous, quoi, voilà. Alors, on ne va pas forcément comprendre le modèle physique, mais par l'observation, quelque part, l'observation à partir des données, on va pouvoir faire de la science et développer des comportements, des modèles qui vont nous permettre de comprendre comment un phénomène se passe, comment un phénomène va se comporter, etc. Alors, ces données, on peut les prendre de partout. Elles peuvent être expérimentales, elles peuvent être du domaine de l'observation pure, mais elles peuvent être aussi fabriquées. C'est-à-dire qu'on peut avoir un modèle physique classique avec des équations, de l'informatique, de la puissance de calcul du HPC pour nous fabriquer des données. Et puis, ces données qui ont été fabriquées, qui ont été calculées, on va s'en servir pour faire de la science par les données et comme ça, essayer d'extraire la substantifique moelle de manière peut-être plus efficiente en termes de puissance de calcul que par de la modélisation pure. Voilà. Donc, voilà, ce quatrième paradigme est celui dans lequel on va se poser tout au long de ce cycle autour du deep learning. Alors, si on prend l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très vaste. Il y a plein de manières de faire de l'intelligence artificielle et une manière qui est très efficace, c'est par l'apprentissage. Ce que l'on fait quotidiennement, ce qu'on est précisément en train de faire tous en ce moment. Et ce domaine de l'apprentissage, de l'intelligence artificielle par l'apprentissage machine est quelque chose qui est extrêmement efficace. Mais c'est aussi quelque chose qui est très vaste.
Et à l'intérieur de cet apprentissage machine, de cet apprentissage par la, avec, enfin, automatisé, on a un sous-domaine qui s'appelle le deep learning. Voilà. Donc, le deep learning, en fait, est un sous-ensemble du machine learning, qui est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Donc, quand on fait du deep learning, on fait de l'apprentissage machine à partir de réseaux de neurones, et c'est une, voilà, une partie de l'intelligence artificielle. Alors, ça, c'est pour bien positionner les mots. Après, en termes de concept, de grande famille d'apprentissage machine, toujours d'apprentissage machine, ce n'est pas spécifique au réseau de neurones, on va parler d'apprentissage supervisé, de non supervisé, d'apprentissage par renforcement et puis d'apprentissage par transfert. Ça, c'est un schéma qu'on retrouve très classiquement, qui est important de voir, parce que c'est, voilà, ça permet comme ça de resituer un petit peu les approches et les problématiques et les grandes familles d'algorithmes. Quand on regarde l'apprentissage supervisé, c'est que l'on va apprendre par des exemples connus, annotés. Alors, on va prendre un exemple. Hein, si on prend, par exemple, une classification, on va vouloir classer des bêtes, des chats d'un côté et des lapins de l'autre, mais on va prendre un dataset, un ensemble d'images, des images de chats, où on sait que bah, ça, c'est un chat, ça, c'est un chat, ça, c'est un chat, des images de lapins, où on sait que ces images correspondent à des lapins. Donc, on va faire notre apprentissage à partir de ces données, de ces informations supervisées, donc annotées. Et puis, quand on va présenter une photo, une image d'une bête, qui pour le coup n'est pas annoté, qu'on n'a jamais vu, eh ben, le système, le modèle va essayer de déterminer s'il s'agit d'un chat ou s'il s'agit d'un chien. Voilà, donc on parle de supervision parce qu'on connaît, on parle d'un dataset, on parle d'une base d'exemples qui ont été annotés, qui sont connus. Alors on peut faire la même chose sur nos régressions. Là, on va prendre par exemple des maisons avec un prix et puis des caractéristiques du quartier dans lequel ces maisons sont situées, donc le taux de criminalité, la richesse, le taux de pollution, etc. Donc on a des informations contextuelles de ces maisons, on a un prix, et donc on a une base de données connue comme ça, avec toutes ces informations-là, et on va faire notre apprentissage avec ces informations connues. Donc c'est typiquement le travail de l'expert immobilier, hein, qui connaît des quartiers, qui connaît des maisons, qui connaît des exemples connus avec toutes les caractéristiques, dont le prix. Et puis ensuite, bah, quand on va donner une maison, enfin les caractéristiques d'une maison, en disant, voilà, on a une maison, elle fait telle surface, elle est dans tel quartier, il y a tel taux de criminalité, etc., 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 sans la localiser précisément plus que ça, on va essayer de déterminer le prix de cette maison. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une prédiction quantitative d'une information, une régression. Et ça, ça se fait comme ça avec des données supervisées, puisqu'on connaît, on a des données de départ, des exemples de départ qui sont complètement connus. Voilà. Par opposition à ça, donc ça, à l'opposition de cet apprentissage supervisé, on a un apprentissage non, dit non supervisé. Voilà. Alors l'apprentissage, hop, pardon, si je ne vais pas dans le bon sens, ça ne va pas aller. L'apprentissage non supervisé, c'est qu'on n'a pas d'informations concernant ces données. Alors si on prend l'exemple suivant, qui est un exemple, ce qu'on appelle le clustering, donc on va essayer comme ça, on a des données de départ, on a des informations. Et on va essayer de trouver des informations, on va essayer de classer ces informations sans avoir aucune autre information que l'information elle-même. On n'a pas d'annotation, donc on a des photos d'animaux, et puis on va essayer de les regrouper par caractéristiques communes. Alors, ces caractéristiques communes, c'est notre intelligence artificielle qui va les déterminer, et elle va déterminer effectivement des caractéristiques communes entre certains groupes, constituer certains groupes comme ça de ces données en entrée. Voilà, alors des fois c'est très évident, des fois le résultat est moins évident. Il y aura des tas de caractéristiques communes, mais on n'a pas forcément de garantie que ces caractéristiques communes nous parlent beaucoup. Quoi. Voilà. Donc là, on a des photos d'animaux, nos chats, nos petits lapins et nos petits chats. Donc on pourrait imaginer des tas de caractéristiques communes qui permettent de les séparer. Mais notre intelligence artificielle va être capable de les séparer sur des critères qui ne seront peut-être pas si évidents que ça. Voilà. Donc ça, le clustering, c'est quelque chose de très important, hein. C'est une fonction essentielle, à mesure où on traite facilement beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, mais annoter ces données est quelque chose qui peut être très coûteux. Donc pouvoir extraire de l'intelligence un ensemble de données sans que l'on ait besoin de les annoter manuellement est quelque chose qui peut vraiment être, enfin, qui est essentiel. Voilà. Un autre exemple, c'est la réduction de dimensions. Donc, vous avez des données très complexes, avec un très, très grand nombre de dimensions, plusieurs centaines de dimensions. Et donc, évidemment, humainement, c'est très difficile d'appréhender un espace à 200 ou 300 dimensions. Et donc, la réduction de dimensions va consister à essayer de réduire le nombre de dimensions de nos données tout en conservant, on va dire, des choses essentielles. Alors là, c'est pareil, ce n'est pas toujours évident à identifier. Mais si on peut passer de 300 dimensions à 10 dimensions,
on va avoir des données qui seront beaucoup moins volumineuses, beaucoup plus simples, un espace de signification peut-être beaucoup plus pertinent aussi. Si on a des données très creuses, ce n'est pas très pratique. Si on a des données très denses, mais de très faible taille, ce sera peut-être plus facile de les interpréter aussi. Voilà, donc ça, c'est un deuxième champ d'usage très important, par exemple. Enfin, deux exemples très importants de l'apprentissage non supervisé. Voilà. Alors, côté de ça, on a tout ce qui est apprentissage par renforcement. Donc là, ça, c'est l'apprentissage des comportements. Hein. Alors, typiquement, un petit robot qui se promène dans son environnement, qui va interagir avec son environnement et qui va essayer d'adapter son comportement, sa stratégie de déplacement, par exemple, dans son environnement. Ça fait partie, tout ça, de l'apprentissage par renforcement. Alors, ce n'est pas forcément que des petits robots avec des roulettes, mais c'est tout ce qui est, on va dire, auto-adaptatif dans des environnements avec un système de récompense. Donc c'est un échange aussi très, très important. Et puis enfin, évidemment, tout en bas, l'apprentissage par transfert. Donc là, ça consiste à apprendre, par exemple, à reconnaître des lapins et des chats. Et puis ensuite, donc on a un modèle, on a une intelligence artificielle qui a appris à reconnaître des lapins et des chats, qui est devenu très bon pour reconnaître des lapins et des chats. Et on va essayer comme ça par extension, de lui proposer, de lui apprendre par un apprentissage complémentaire à reconnaître, par exemple, des éléphants. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus simple de partir de quelqu'un qui sait reconnaître, qui sait reconnaître des lapins et des chats, distinguer des lapins et des chats, une intelligence qui est capable de faire cette distinction-là, pour apprendre très rapidement à distinguer des éléphants, des girafes, par exemple, plutôt que de repartir de zéro. Voilà, donc, si on peut appeler l'apprentissage par transfert un complément, une stratégie par complément d'apprentissage. Voilà. Voilà. Bon, c'est un petit peu long, mais ce panorama est important parce que ça permet de situer un petit peu les algorithmes. Et ces algorithmes, il y en a plein, plein, plein. Et alors là, il n'y a pas que des réseaux de neurones. Hein. Vous en avez une liste qui sont affichées ici. Vous avez une quantité énorme d'algorithmes qui sont disponibles, qui fonctionnent tous très bien dans leur périmètre, dans leur contexte donné, dans leur cas d'usage, hein, dans le périmètre de leur cas d'usage. Et l'intelligence artificielle qui s'appuie sur l'apprentissage machine réseau de neurones profonds, donc le deep learning dont on va vous parler tout au long de ce cycle, va être présent à peu près dans tous ces domaines. C'est-à-dire qu'avec les réseaux de neurones profonds, on va pouvoir s'attaquer un petit peu à toutes ces familles de problématiques. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne marchent pas, ne sont pas intéressantes. Ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Voilà. Mais voilà, un petit peu la cartographie générale. Alors, d'un point de vue quincaillerie, on va s'intéresser à deux grands environnements. Le premier, Keras TensorFlow. Alors, TensorFlow, c'est la couche basse. Keras, c'est la couche haute que l'on utilisera, que l'on utilisera nous, et que tout le monde utilise aujourd'hui de ce côté-ci. C'est une librairie, une interface de haut niveau, très simple, très synthétique, très efficace. Donc, Keras TensorFlow, le slogan, c'est Deep Learning for Humans, parce qu'effectivement, TensorFlow, c'est un petit peu austère à utiliser. Je dis ça, c'est vraiment de la langue de bois. Donc aujourd'hui, voilà, on va utiliser Keras, qui est une librairie de haut niveau, qui est assez user-friendly à utiliser. Alors, Keras, TensorFlow sont très utilisés, notamment dans le monde de l'industrie, très utilisés dès lors où on a besoin d'utiliser de l'intelligence artificielle. Et puis après, il y a une deuxième famille, un deuxième environnement extrêmement présent, tout aussi présent, qui s'appelle PyTorch, qui est davantage utilisé dans les laboratoires de mathématiques appliquées, dans la recherche en intelligence artificielle, ou quand on va commencer à utiliser des modèles très complexes. La PyTorch sera sans doute plus adaptée, parce qu'il y a un usage un petit peu plus bas niveau. Voilà, donc ça gratte un petit peu plus que lorsqu'on va l'utiliser pour faire des choses simples, mais quand on voudra faire des choses compliquées, on aura tendance à utiliser peut-être davantage PyTorch. Voilà. Donc le premier est supporté, développé, proposé en open source, librement, etc., par le monde de Google, et puis le deuxième par le monde de Facebook. Voilà. Et puis évidemment, ces deux environnements-là, Keras TensorFlow et PyTorch, s'appuient sur le monde Python, enfin, sont accessibles dans un environnement Python. Alors, c'est en général un cocktail avec Python, NumPy et des notebooks Jupyter qui constituent les environnements que l'on va utiliser tout au long de ce cycle. Donc, on aura des notebooks et des exemples, des séquences qui s'appuieront sur le PyTorch et puis des séquences qui s'appuieront sur le Keras TensorFlow. Voilà, ça correspond un petit peu au monde dans lequel on est aujourd'hui. Et vous verrez, bon, voilà, c'est très, très accessible, aussi prolongé un petit peu, mais voilà, on s'en sort très bien et ça marche très bien aujourd'hui. Voilà. Alors, on est dans des environnements qui sont très complexes. Vous avez vu qu'installer ces environnements n'était pas forcément très, très simple.
On utilise un très grand nombre de librairies, c'est-à-dire que si on prend l'environnement que l'on vous propose, alors on va trouver du Panda, du Scikit-Image, du TensorFlow, Keras, NumPy, puis PyTorch, Matplotlib, etc., etc. Donc on est dans des environnements qui sont assez complexes. Si on veut monter dans les tours et puis faire pas mal de calculs, on va avoir besoin de GPU, de beaucoup de GPU, de beaucoup, beaucoup de GPU très rapidement. Et là, c'est compliqué. Voilà, là, c'est compliqué d'installer ces machines-là. Donc là, il n'y a pas 30 solutions. On va faire une petite question en passant, comme ça. Est-ce que vous avez eu la curiosité de regarder le nombre de fichiers qui constituent l'environnement FIDL? Voilà. Alors, l'environnement FIDL, encore une fois, c'est pas, il n'a rien de spécifique FIDL, hein. Il y a peut-être un module spécifique à FIDL, mais un environnement de type deep learning tel que celui que l'on va utiliser à travers ce cycle. Donc, en gros, il y a Keras, TensorFlow, PyTorch, et puis toutes les librairies dessous de NumPy et autres. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fichiers qui constituent cet environnement? Alors, on va regarder dans le chat, qui est-ce qui peut mettre un chiffre comme ça, grosse maille, grosse maille. Voilà, 35 000 lignes, 35 000 fichiers, voilà, c'est ça, hein. On est sur plusieurs dizaines de milliers de fichiers. Et plus que ça, en fait, hein. Moi, j'ai regardé, je crois que je suis à 40 000 fichiers à peu près. On est dans les plusieurs dizaines de milliers de fichiers. Alors, hors dataset, hein, voilà, hors dataset. Parce que si on compte les datasets, là, il y a des centaines de milliers d'images. Mais on est quelque chose de très, très complexe. On est dans des environnements très complexes. Voilà. D'où une complexité importante. L'intérêt de pouvoir utiliser justement des solutions de type Docker, qui permet de packager comme ça tout l'environnement à travers un gros container. Donc là, merci à Soraya. Je ne sais pas si Soraya est là. Je me permets juste une petite regarder comme ça si. Parce que j'ai oublié de lui monter sur scène. Non, je ne sais pas si elle est là, Soraya. C'est pas grave. En tout cas, merci à Soraya de nous avoir développé, construit et de nous maintenir ce container Docker qui simplifie vraiment grandement l'installation et la gestion de ces environnements. Et puis ensuite, c'est pareil, hein, sur la partie 80 000 fichiers. J'avais compté l'autre fois, j'en avais peut-être deux. Voilà, bon, on s'en fiche le nombre exact. Mais du coup, quand on va vouloir utiliser en production pour faire du calcul, hein, dans nos laboratoires, dans nos entreprises, utiliser ce genre d'environnement, on va avoir intérêt, vraiment un intérêt très important, de partir sur des ressources mutualisées. Voilà. Donc là, on a des centres de calcul régionaux, on appelle des mésocentres. Et puis, on a des centres nationaux tels que l'IDRIS, ou le CNES, ou celui du CEA. Et alors, ces centres de calcul, qu'ils soient régionaux ou qu'ils soient nationaux, sont librement accessibles sur projet, accessibles, que l'on soit du monde académique ou du monde privé. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces structures-là si vous avez des besoins en ressources de calcul importantes. N'essayez pas d'installer votre propre centre de calcul, hein. Prendre une machine, la remplir de cartes GPU pour essayer d'avoir sa puissance de calcul sur son bureau. D'un point de vue environnemental, c'est un véritable désastre, parce que vous allez fabriquer un radiateur électrique tout au plus, et puis de toute façon, vous serez rapidement limité aussi, parce que, encore une fois, on ne peut pas concurrencer des machines comme j'en ai avec ces 3 000 cartes GPU. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu des éléments de contexte. Alors, c'est un peu verbeux, mais c'est important d'avoir un petit peu tous ces repères et on reviendra dessus progressivement un petit peu tout le temps. Voilà, intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions auxquelles on peut répondre en direct, oralement, je ne sais pas. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, les collègues, s'il y a besoin. Sinon, on va aller s'intéresser à notre première approche de nos réseaux de neurones à travers la voie mathématique. Alors, on va faire des mathématiques relativement simples, hein. La première question, la première chose que l'on va voir, c'est quand on a un phénomène, voilà, donc on a un phénomène qui se déroule avec une réponse, et on voit qu'on a quelque chose qui est globalement à peu près linéaire. Hein, on voit qu'on a un nuage de points, donc ça, à chaque point, c'est nos données. Et on voit qu'on a une distribution qui est globalement linéaire. Si on regarde comme ça, on voit qu'on a quelque chose comme ça qui suit. Alors, je ne suis pas tout à fait dedans, mais voilà, je ne suis pas tout à fait correctement. Mon trait n'était pas très bon. Et on voit qu'on a comme ça, si j'arrive à. Il ne veut pas me le redessiner. C'est un truc qui ne marche plus, ça commence. Voilà, si on se promène un petit peu comme ça, voilà, si on regarde un petit peu la distribution de notre nuage de points, on voit qu'on a quelque chose qui est globalement linéaire avec du bruit autour. Et là, on a une fonction, hein, qui est en gros du y égale à x plus b, avec b qui est du bruit. Ouais. Voilà. Question, comment essayer de représenter, de modéliser ça?
Donc, la manière de faire ça, ça va être d'utiliser une courbe de type y égale à x plus b et d'essayer de trouver le positionnement de cette courbe, un positionnement idéal de cette courbe à travers notre nuage de points, de manière à ce que ça représente au mieux notre phénomène. Alors, quand on dit représenter, positionner au mieux notre courbe, notre droite, pardon, droite est une courbe, mais comment positionner au mieux notre droite à l'intérieur de ce nuage de points, ça veut dire qu'on va calculer la distance entre notre droite et puis chacun de ces points. Donc, c'est le sigma de toutes les petites distances que l'on a en jaune pour chacun des points. Et puis, on va essayer de minimiser comme ça, de minimiser cette somme de cette distance, hein, la somme de ces distances, la somme de la distance de nos points à notre droite. Alors, pour faire ça, on va prendre une fonction d'erreur, hein, on a par exemple l'erreur quadratique moyenne ou la version simple qui est la moyenne du carré des erreurs. Donc, c'est ce que vous avez, voilà, les deux expressions que l'on a ici, RMSE et MSE. Et on va essayer de minimiser comme ça cette distance. Voilà. Alors, notez bien qu'il existe une solution directe. La solution directe, elle est calculable, hein, elle marche très bien. Vous avez le θ chapeau ici, qui sont les paramètres A et B, hein, de notre droite. Ce θ chapeau peut être calculé. Donc là, c'est l'expression matricielle de la solution directe qui marche très très bien. Et là, en claque, une fois, en une fraction, en un seul calcul, vous avez comme ça les paramètres on peut calculer les paramètres de notre droite. Simplement, il y a un gros défaut, c'est que la complexité va en n au cube. Et donc, quand on a quelques dizaines, quelques centaines de points, ça se passe très bien. Mais quand on a quelques millions de points, quelques dizaines ou centaines de millions de points, évidemment, ça ne se passe pas bien du tout. Voilà. Donc, la solution directe, on l'oublie, puisque, encore une fois, dans le big data, il y a quand même le mot big qui est important. Voilà. Donc, sous Excel, ça se passe bien, mais quand on est dans le contexte big, ça ne marche plus. Alors, comment on va essayer de faire ça? On va faire ça avec une manière assez astucieuse, qui est ce qu'on appelle la descente de gradient. C'est-à-dire que quand on reprend on a notre fonction de notre distance, hein, notre RMSE, notre MSE, qui est l'expression de la distance des points par rapport à notre droite, et on va essayer de minimiser cette distance. Alors, on voit très bien la logique, c'est-à-dire qu'on va prendre notre droite en rouge, et puis on va essayer de la caler comme ça, on va essayer de la bouger à l'intérieur de notre nuage de points. Et quand on va être très loin de la position idéale, on va avoir des distances, la somme des distances qui va être assez élevée. Donc, on a ici, comme ça, notre fonction, ce qu'on appelle notre fonction loss, qui est notre distance, en fait, la somme de nos distances. Donc, on a une valeur qui est assez élevée. Hein, on a un paramètre θ qui n'est pas optimal. Et puis, quand on va essayer de se caler comme ça, on va essayer de tourner un petit peu notre droite pour se rapprocher de la position idéale. On va se rapprocher progressivement du minimum possible de cette fonction de perte, hein, de cette fonction loss. Alors, on a un minimum, c'est-à-dire que quand on va tourner notre droite, on va caler notre droite à un moment donné, on l'a tournée, elle a bougé, hein, à un moment donné, elle va être à la distance minimale que l'on peut avoir à l'intérieur de notre nuage de points, ce ne sera pas forcément zéro, hein, puisque les points ne sont pas alignés. Et puis, quand on va continuer à essayer de la décaler, on ne pourra faire que moins bien. Voilà. Donc, on va, comme ça, en essayant de caler notre droite, on va descendre sur cette fonction de perte, sur cette fonction de distance, et puis on va essayer de trouver la position idéale, le meilleur endroit possible. Voilà. Alors, c'est cette fameuse fonction de perte, encore une fois, on peut en prendre plein, hein, on prend usuellement, effectivement, l'erreur quadratique moyenne ou la moyenne des carrés des erreurs. Voilà. Alors, cette fameuse façon de caler, parce qu'il n'y a qu'à caler la droite à l'intérieur du nuage. Donc, on peut essayer des valeurs au pif et puis essayer de trouver la meilleure valeur. Mais on va essayer de faire ça de manière astucieuse. Et pour faire ça, comme on a en fait notre fameuse fonction de perte, hein, notre fonction de perte, on a en fonction de nos paramètres θ, des paramètres de notre droite, hein, on a une fonction qui a une espèce de forme de cloche inversée, comme ça, une forme de cloche comme ça, avec un minimum. Et on va suivre le gradient. On va essayer de suivre la pente de notre fonction de perte. Alors, la pente, c'est quoi? C'est la variation de notre fonction de perte par rapport à la variation de nos paramètres θ. Donc, et puis un gradient, hein, donc ce fameux delta loss sur delta θ, donc une variation de la fonction de perte, la variation de cette erreur par rapport à la variation visée, hein, par la variation des paramètres de notre droite, en fait, c'est jamais que ce qu'on appelle une dérivée. Donc, c'est quelque chose qu'on sait calculer. Voilà. Donc, on va se mettre à un endroit donné, une position donnée, on va calculer comme ça notre gradient. Par rapport à notre variation de perte, par rapport à notre variation de nos paramètres, on a un gradient, et puis on va suivre ce gradient, c'est-à-dire qu'on va appliquer
une portion de ce gradient à nos paramètres θ, de manière à descendre, à suivre la pente de notre fonction de perte. Voilà. Et donc, de manière itérative, comme ça, on va descendre sur cette courbe pour essayer de trouver le minimum qui correspond à la position idéale de notre droite intérieure, de notre nuage de points. Voilà. Donc ça, c'est ce fameux principe de descente de gradient qui consiste à suivre la pente de l'erreur. Hein, on suit la pente de l'erreur de manière à minimiser cette erreur. On peut dire ça exactement comme ça. C'est quelque chose qui se fait très bien. L'art et la manière de suivre une pente dans une descente, c'est comme en montagne. On peut soit faire des grands pas, donc on va de plus en plus vite, et puis on va arriver en bas. Le but du jeu, c'est de s'arrêter en bas. Donc, de pas, si on fait des pas réguliers, on va faire des pas comme ça, et puis on risque de passer de l'autre côté, puis de rebondir de chaque côté de notre minimum. Donc, voilà, il y a un petit peu d'astuce qui consiste à descendre, et puis quand la pente va s'adoucir, de ralentir de manière à pouvoir arriver tout doucement et proprement sur notre minimum. Voilà. Donc, ça, c'est l'art et la manière comme ça de faire, de gérer cette descente de gradient, ça s'appelle l'optimisation, la fonction d'optimisation, la manière d'optimiser comme ça la descente de notre gradient. Voilà. Alors, c'est un petit peu conceptuel, un petit peu mathématique, mais très, très intuitif finalement. C'est-à-dire que pour placer notre courbe, pour résumer, hein, pour placer notre courbe à l'intérieur de notre nuage de points, ce que l'on va faire, c'est qu'on va calculer l'erreur de positionnement de notre droite par rapport à notre nuage de points. Donc, on a une fonction d'erreur comme ça. Et puis ensuite, on va essayer de minimiser cette erreur en suivant la pente de cette courbe d'erreur de manière à trouver la position d'équilibre tout en bas. Voilà. Alors ça s'implémente très, très, très bien. Donc, la régression linéaire, ça se fait très, très bien. Et vous trouverez comme ça un des notebooks, donc c'est le notebook grade 1, on verra les notebooks tout à l'heure, où on a comme ça ce processus itératif qui s'enclenche. Donc on a notre droite qui part à l'horizontale ici, et puis on a une première itération, tac, on fait un premier pas, et puis un deuxième pas, puis un troisième pas, et on voit comme ça que notre courbe progressivement va venir se caler dans la bonne, au bon endroit dans notre nuage de points en utilisant une fonction MSE, donc la moyenne du carré des erreurs, tout simplement. Voilà. Alors, une chose très importante, c'est que quand on a un phénomène comme ça avec un nuage de points, hein, un ensemble d'observations, ces points, on va appeler ça maintenant des observations, utiliser le bon vocabulaire du machine learning, quand on a un ensemble d'observations comme ça, on va essayer comme ça d'avoir un modèle. Donc, le modèle, c'est notre fonction qui, pour une valeur donnée, nous renvoie un résultat qui mime la distribution, qui mime nos observations. Donc là, on voit qu'on a un nuage de points ici avec un modèle ici qui nous renvoie un résultat, qui nous propose une courbe, un modèle, une distribution qui est relativement sympathique. Mais on peut avoir, si on a quelque chose de trop simple, c'est-à-dire que le modèle n'est pas suffisamment subtil, voilà, là on a un modèle, donc là c'est une fonction linéaire, une fonction polylinéaire, pardon, voilà, donc avec A0, A1 plus A1, X plus A2, X2, etc. Donc là, on a une régression polynomiale, pardon. Donc là, on a un degré de un nombre de degrés qui est satisfaisant, puisqu'on a quelque chose, on voit ici que notre régression polynomiale donne un résultat qui est plutôt sympathique. Ici, par contre, on n'a pas suffisamment de degrés, donc on a quelque chose, on a une droite, et pour représenter cette distribution ici, on voit que c'est... On a un résultat, il n'y a pas de souci, mais on a un résultat qui est intellectuellement pas satisfaisant parce qu'on voit bien que ce n'est pas terrible, quoi. Ça ne fit pas très bien, quoi. Et puis à l'opposé, à droite, donc là, toujours avec une régression polynomiale, mais avec trop de degrés, donc je ne sais pas, on avait dû mettre une dizaine de degrés peut-être, on a quelque chose qui va essayer de passer par tous les points. La fonction de perte, elle sera meilleure. La fonction de perte ici, de cette implémentation-là, est meilleure qu'ici. Donc, sur le papier, on aura l'impression que ça marche mieux. Mais quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'on a quelque chose, on a un modèle ici qui essaye de passer par tous les points. Donc, il a de meilleures notes, et un meilleur résultat, mais d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue physique, ça ne veut pas dire grand-chose, ce n'est pas très satisfaisant. Voilà. Donc là, on a deux cas de figure qui sont fondamentaux dans l'apprentissage machine. On a le sous-apprentissage ici. Donc là, on n'a pas assez d'intelligence pour représenter le phénomène. Et puis ici, le surapprentissage, où là, on a peut-être trop d'intelligence, on essaie de passer par tous les points, on cherche midi à 14h, on cherche trop de détails, on a un modèle qui est trop, qui a trop de degrés de liberté, au propre comme au figuré, et avec un résultat qui est meilleur sur le papier, mais qui, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue global, d'un point de vue absolu, est nettement moins bon. Voilà, donc ça, c'est le sous-apprentissage, le surapprentissage, ça, c'est des choses avec lesquelles on va jouer en permanence durant les 20 séquences de ce cycle.
Voilà. Alors, ça, c'est la régression linéaire, c'est le cas simple. Le cas un petit peu plus complexe, mais qui est très intéressant, c'est la régression logistique. Donc là, la régression logistique, l'objectif, ça va être, donc là, dans cet exemple, hein, on a des données, des observations, pardon, des observations. Donc, ce sont des étudiants qui ont travaillé. Alors, c'est totalement imaginaire, hein, bien sûr. Hein, voilà, toute ressemblance avec des personnes existantes qui ont existé ne serait que purement fortuite, etc., etc. Mais voilà, imaginons qu'on a un groupe de personnes, on va dire, on ne va pas stigmatiser nos collègues étudiants, un groupe de personnes qui vont travailler pour un examen. Et d'un côté, on a le nombre d'heures de sommeil, de l'autre côté, le nombre d'heures de sommeil verticalement, pardon, le nombre d'heures de travail en abscisse. Et puis le résultat, voilà. Donc le résultat, ben, ça ne s'est pas bien passé en rouge, et puis le résultat, ça s'est bien passé en vert. Donc sans surprise, quand on n'a pas beaucoup dormi et pas beaucoup travaillé, ça ne se passe pas très bien. Et puis quand on a beaucoup travaillé et beaucoup dormi, et ça se passe mieux. Voilà. Et puis entre les deux, ben, entre les deux, si on ne sait pas bien, enfin entre les deux, voilà. OK. Et donc ben, le but du jeu, c'est qu'on a un certain nombre d'observations, et puis on a donc pour des observations connues. Donc, on est dans le cas d'un apprentissage supervisé. Donc, on a un certain nombre de cas dont on connaît le résultat, le nombre d'heures de sommeil, le nombre d'heures de travail et puis le résultat. Et puis, on va donc faire un apprentissage à partir de ces espaces, de ces observations connues. Et puis, on va essayer, comme ça, pour des données que l'on va avoir ensuite, de deviner, est-ce que, en ayant dormi autant, tant d'heures, en ayant travaillé tant d'heures, est-ce qu'on a une chance, enfin, voilà, comment ça va se passer, est-ce que ce sera un résultat bon ou pas bon à l'examen. Voilà. Donc, si on a un point ici, c'est facile. Si on a un point ici, c'est facile. Si on a un point par là, ben, ce n'est pas évident. Le but du jeu, c'est d'essayer de proposer quelque chose qui soit capable de faire ça. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que ma caméra s'est figée. Est-ce que j'ai un petit problème. J'ai l'impression que je n'ai plus l'image, que vous ne me voyez plus. Je vais arrêter, relancer. Bon, je ne sais pas, on va continuer comme ça. Vous me voyez ou vous ne me voyez pas? On te voit en fond vert bizarre. C'est intéressant ça, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, juste, on va tenter un essai, on va quitter le truc, couper la caméra. Ça c'est quand même terrible, ça. On ne peut pas compter sur la technique, hein. Il faut forcément que ça coince quelque part. Alors attendez. Hop, on va rebrancher ça. Je vais essayer de redémarrer la caméra. Ah, je réapparais, mais je suis un peu brûlé, excusez-moi. Est-ce que l'on m'entend? Vous m'entendez? Oui. Oui, je profite de l'interruption pour rappeler, donc pour les questions, de préférence, utiliser le site qu'on a partagé. Si tu peux épingler le message sur YouTube, non, on n'a pas le droit de le faire. Ah Avec, zut. Vous ne pouvez pas écrire dans le chat de YouTube. si, si, on peut y répondre, mais c'est pour épingler le message avec le lien de Ah, je ne sais pas si, questions-réponses. je sais pas si je peux épingler, par contre. Normalement, oui. J'ai un peu l'autre peut. D'accord. Bon, je. Et donc pour tout le monde, si vous pensez que vos questions peuvent être réutilisées par tout le monde, etc. Enfin, même de manière générale, de préférence utiliser ce site-là pour les questions. Oui, tout à fait. Je vous propose de poster dans le chat de YouTube parce que je ne sais pas comment on fait et j'avoue que je n'ai pas le temps d'aller voir Pas de comment souci. écrire dedans. Désolé. Merci. Bon, j'ai l'impression que je suis revenu. Je suis désolé. Voilà, nouvelle caméra, nouveau problème. On te voit bien. Voilà. Désolé. OK, voilà. Donc, but du jeu, c'est d'essayer de deviner comme ça, pour une observation donnée ensuite, donc comment la probabilité, que ce soit en clair, de réussite ou non à l'examen. Voilà, alors pour faire ça, ben, on va utiliser une fonction logistique, hein, c'est une régression logistique. Donc on a une fonction linéaire dans laquelle on a notre observation en entrée. Donc ben, on n'a que deux composantes, en l'occurrence, le nombre d'heures de travail et le nombre d'heures de sommeil. On a des poids, donc on a une fonction linéaire, hein, c'est donc de type AX plus B, enfin le sigma de AI, enfin de XI, WI plus B, si je prends les noms des poids qui sont ici. Donc, un premier poids, un W1, le nombre d'heures de travail, un W2, fois le nombre d'heures de sommeil, plus un biais que l'on rajoute. On passe ce résultat-là dans une fonction logistique qui nous permet d'avoir un résultat entre 0 et 1.
Et puis, ce résultat entre 0 et 1, on va l'interpréter comme la probabilité de réussite ou non. Voilà, si c'est inférieur à 0,5, on va considérer que c'est 0, que c'est raté, et que si c'est supérieur à 0,5, que le résultat, l'examen est obtenu. Voilà. Et donc, voilà, on a une fonction linéaire comme ça, très simple, hein, qui est une somme pondérée, que l'on passe dans une fonction, ce qu'on appelait d'activation, qui permet de transformer la sortie de cette somme pondérée en une probabilité, quelque chose qu'on va interpréter comme une probabilité. Et puis, on va se baser sur cette valeur-là pour notre apprentissage. Voilà. Si on prend l'expression matricielle ici, on a un Y chapeau, qui est la valeur prédite, hein, qui est le sigma, donc fonction d'activation du θt, transposé X plus notre biais, B. Voilà. Toute la subtilité de la régression logistique, bah, ça va être de trouver la valeur des poids de manière à ce que notre régression logistique donne un résultat qui soit le meilleur possible. Voilà. Alors, pour déterminer ces poids, bah, ces fameux W1 et W2, là, on n'a que deux poids, hein, plus notre biais, il ne faut pas l'oublier, on va utiliser cette fameuse approche par descente de gradient, c'est-à-dire que, voilà, forger progressivement, de manière itérative, nos deux poids pour obtenir nos deux poids et notre biais, de manière à avoir un résultat qui soit aussi juste que possible. Voilà, une régression logistique, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui marche très 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 bien, hein, qui est absolument très, très 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 efficace, qui s'implémente très facilement, qui est disponible dans toutes les librairies de type scikit-learn et autres, et qui permet comme ça d'avoir un résultat très intéressant. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que cette petite machine qui fait cette somme pondérée avec cette fonction d'activation et qui nous renvoie un résultat, bah, ça s'appelle un neurone artificiel. Voilà, c'est notre premier réseau de neurones. La régression logistique, c'est jamais qu'un réseau de neurones artificiels de un neurone. Voilà. Régression logistique, c'est un réseau de neurones à un neurone. Et ça marche très bien, encore une fois. C'est quelque chose qui est massivement utilisé, utilisable et qu'on continuera d'utiliser parce que c'est très simple et que ça donne de très, très bons résultats dans des problématiques linéaires. C'est-à-dire que si on reprend notre exemple ici, donc là, c'est le résultat. On retrouvait le notebook aussi, hein, il s'appelle logr1 dans les exemples. Et ben voilà, quand on a comme ça notre résultat ici, hein, on reprend notre exemple de départ par rapport à un dataset de test, donc là sur des données qui n'ont jamais été vues, hein, on a une séparation donc, qui est linéaire entre le monde de ceux qui ont réussi et puis le monde de ceux qui n'ont pas réussi. On a un seul neurone avec une fonction linéaire de séparation, donc on a une séparation qui est strictement linéaire, une droite, mais on a un résultat, vous voyez, qui est supérieur à 90% dans notre exemple, ce qui n'était pas du tout intuitif quand on voyait ce à quoi ça ressemblait au départ. Voilà. Donc, ça marche très bien avec une très forte limitation. Tu as un seul neurone, et ben, tu sais résoudre que des problèmes linéaires. Voilà. Or, le monde n'est pas tout à fait linéaire. On verra ça plus tard. Alors, on peut biaiser un petit peu ça. Hein, c'est-à-dire que si, donc ça, c'est vraiment en 30 secondes, ben, si on reprend comme ça nos observations, donc on avait nos observations avec deux composantes, le nombre d'heures de travail et le nombre d'heures de sommeil, et on va rajouter les composantes, on va rajouter le carré et le cube de chacune de nos composantes. Et on va refaire exactement la même chose, sauf qu'on n'est plus avec des observations en deux dimensions, mais à cinq, six dimensions. Et là, on arrive comme ça à diminuer le taux d'erreur. Hein, on divise le taux d'erreur par deux. On a quelque chose qui est encore meilleur. Voilà. Mais bon, c'est une acrobatie, mais en tout cas, une extension, on va dire. Voilà. OK, on va arrêter les maths ici. On va aller plus loin dans les maths sur cette partie-là. La chose importante, c'est de voir que finalement, notre neurone artificiel, c'est jamais qu'une fonction linéaire. C'est une somme pondérée qui passe dans une fonction d'activation. Et qu'avec cette simple petite fonction linéaire bien classique, on arrive à faire aussi bien de la régression ou de la prédiction de valeur que de la classification, comme on vient de le voir à l'instant. Et avec des résultats, encore une fois, qui sont très bons. Si vous avez un problème linéaire, ça ne sert à rien de prendre une solution capable de gérer des problèmes non linéaires. Ça marche très bien. Voilà. Alors, ça, c'est l'approche un petit peu mathématique. Voilà, on est arrivé à notre premier réseau de neurones. Et on va essayer de voir un petit peu maintenant comment ça s'est passé dans le monde, j'irais dire des humains. Quoi, voilà. Alors, la première question, si on parle d'intelligence artificielle, le premier mot-clé, c'est l'intelligence. C'est le principe de voilà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Et l'intelligence, on peut en trouver plusieurs définitions. Une première définition, donc c'est celle qu'on trouve dans Wikipédia, par exemple. Une définition, alors chacun, on verra que chacun va trouver sa définition de référence. Moi, personnellement, je trouve celle-là particulièrement
pertinente d'un point de vue évolutif en particulier, c'est que l'intelligence est la capacité de percevoir ou d'inférer l'information, de la conserver comme une connaissance et à l'appliquer dans des comportements adaptatifs. Donc en gros, on perçoit notre environnement, on regarde, on voit, on perçoit une information, on va conserver une partie de cette information comme une connaissance, hein, on se constitue une base de connaissances et on va s'appuyer sur cette base de connaissances de manière à pouvoir adapter notre comportement. Voilà. Ça marche pour les humains, ça marche pour le vivant, ça marche avec des neurones, ça marche également pour des blobs, ça marche pour du végétal, ça marche de plein de manières. Et cette définition de l'intelligence est une définition très évolution, enfin en termes d'évolution très pertinente, puisque c'est un petit peu ce que l'on observe ce qu'on observe autour de nous dans le vivant. Voilà. Alors à côté de ça, on a une deuxième définition qui est tout aussi présente, tout aussi prégnante, qui est, alors qu'on trouve par exemple, c'est la définition dans le Petit Larousse, où l'intelligence est définie comme l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Alors là, voilà, on est sur un autre niveau, on rentre dans un monde un petit peu d'abstraction, c'est-à-dire que c'est la capacité, pour faire simple, la capacité à itérer sur des concepts, sur des objets conceptuels, voilà. Donc, on est sur quelque chose de plus abstrait, quelque part, et de plus haut niveau aussi. C'est-à-dire que, dans un premier cas, on est sur des observations, donc on est sur quelque chose qu'on observe, c'est chaud, c'est froid, c'est grand, c'est petit, c'est lourd, c'est pas lourd, etc. Là, on s'intéresse en fait à des abstractions, à une approche beaucoup plus conceptuelle des choses et la capacité à manier ces concepts. Voilà. Alors ces deux approches-là, évidemment, sont assez antagonistes et très très tôt, il y a eu deux courants de pensée fondamentalement différents qui se sont affrontés et qui ont suivi ces deux voies, ces deux conceptions un petit peu de l'intelligence. Alors c'est un long débat. On peut appréhender l'intelligence artificielle de plein de manières. Ça, cette approche-là, moi, je la trouve très très intéressante parce que elle est c'est un très bon éclairage de l'histoire récente. Et puis, il y a quand même une approche un petit peu fondamentale derrière. Un article extrêmement intéressant que je vous cite tout de suite, de Dominique Cardon, Jean-Philippe Pointet et d'Antoine Mazière, qui est publié en 2018, la référence derrière, ou avec votre moteur de recherche favori. Donc, ils ont repris un petit peu l'histoire de l'intelligence artificielle à travers cet éclairage-là. Donc, on trouve également des très bons articles anglo-saxons sur le sujet. Et voilà, donc c'est vraiment l'article de référence que je vous conseille, une quinzaine de pages, qui est absolument passionnant à lire et sur lequel je me suis largement appuyé pour constituer cette partie-là. Voilà, donc dans le premier cas, dans la première définition, donc l'approche connexionniste, on va considérer que l'intelligence est le résultat d'un ensemble de petites fonctions élémentaires. C'est-à-dire que le principe de l'intelligence, c'est le résultat d'un traitement du signal. On perçoit une information, sans même comprendre très bien ce qu'il y a, c'est une information qui n'a pas forcément très grand sens, et à partir de cette information, on va la transformer, on va l'intégrer, etc., à travers des petits mécanismes élémentaires, absolument de faible taille, très simples, que sont nos neurones, en fait, nos fameux neurones. Nos neurones que l'on a vus tout à l'heure, notre neurone artificiel ressemble de manière très étonnante à un réseau, à un neurone réel. Donc, prenez un neurone réel ici. Vous avez des entrées de ce côté-là. Voilà, donc on prend une observation avec des composantes. Enfin, voilà. Et ça va être transformé à l'intérieur de notre neurone. Et puis, ça va ressortir derrière pour être connecté vers d'autres neurones. Voilà. Donc, on a un vecteur en entrée quelque part, on a un vecteur en sortie, et puis c'est transformé, on est vraiment dans le domaine du traitement du signal. Et c'est exactement la même chose que fait notre neurone artificiel. Nous sommes pondérés, c'est transformé par notre fonction d'activation, et on a une sortie. Et cette sortie, après, elle peut être interconnectée, on peut imaginer que ça puisse être interconnecté avec d'autres neurones artificiels. Voilà. Donc, ça, cette approche connexionniste, elle est très ancienne. C'est où on va essayer comme ça de modéliser, de reproduire un petit peu le fonctionnement qu'on observe dans le vivant. Et de l'autre côté, on va avoir une approche de beaucoup plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des symboles, ce qu'on appelle l'approche symbolique, où on va essayer de forger une opinion. C'est-à-dire, on prend l'exemple classique, tout homme est mortel, donc on a un concept homme, on a un concept mortel. Socrate est un homme, Socrate c'est le concept,
on retrouve le symbole homme, etc. Donc, moteur d'inférence est capable de nous dire, donc, ben, Socrate est mortel. Voilà. On a des concepts de haut niveau et avec un moteur d'inférence. Les deux fonctionnent très bien, hein. Les deux sont imparables. Simplement, c'est quand même deux approches conceptuellement très, très, très différentes. Dans un cas, on est sur une approche inductive, donc on a une entrée, une sortie, donc une observation, un résultat. Et à partir de l'observation de cette cause et puis de ce résultat, on va essayer de trouver le modèle, quelque chose, on va fabriquer le programme qui est capable d'aller de l'un à l'autre. Voilà, c'est donc le programme et le résultat, on va dire, d'une entrée et d'une sortie enfin, d'une observation finalement. Voilà. Dans le cas de notre approche symbolique, on est sur une approche déductive. Donc là, on est vraiment sur l'informatique classique que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on a une entrée, on a un programme, et ce programme va nous générer une sortie. Voilà. Dans le premier cas, on va s'appuyer sur des faits pour essayer d'identifier, de déterminer, de retrouver les règles et les lois sous-jacentes à ces faits. Voilà, on va essayer de modéliser comme ça la substantifique moelle que l'on a dans nos observations. Et notre modèle, ben voilà, c'est jamais qu'une intégration de ces lois et de ces règles que l'on a observées. Alors que dans l'approche symbolique, ben on va prendre un expert, on va attraper un expert en bâtiment, un expert en ceci ou en cela, un physicien ou autre. Et puis, on lui demandait de nous extraire les règles et les lois importantes, la physique, de ce savoir, son savoir, d'utiliser son savoir de manière à fabriquer ce fameux programme. Et ce fameux moteur d'inférence qui va nous permettre de produire un résultat. Voilà. Donc, on a vraiment deux approches qui sont fondamentalement différentes. Et évidemment, ça ne pouvait pas très bien se passer, puisqu'on a deux conceptions assez orthogonales. C'est comme la lumière corpusculaire, etc. Ce n'est pas incompatible, puisque la réalité est présente dans les deux cas. C'est la même réalité pour deux approches différentes. Et ces deux approches de l'intelligence donnent de très bons résultats. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même une forme de concurrence entre les deux. Et là, ce graphique est extrêmement intéressant. Donc, il est extrait de la fameuse publication de Dominique Cardon, Antoine Mazière et Jean-Philippe Pointet, que je conseille vraiment d'aller lire. On a ici le ratio de publication à travers le temps, donc a commencé, vous voyez, bien avant 1940, de ces deux approches, enfin de ces deux approches de l'intelligence, de deux approches, deux manières d'appréhender, on va dire, l'intelligence. Donc en orange, vous avez les connexionnistes, et puis en bleu, les publications pro-symboliques, en tout cas qui s'appuient sur l'approche symbolique. Voilà. Oui, donc je aperçois comme ça une question. Pouvez-vous expliciter la référence Dominique Cardon, Jean-Philippe Pointet et Antoine Mazière? C'est la publication d'un article qui a été publié par ces trois auteurs, dont vous trouverez le lien en référence à la fin. Voilà, ben, merci beaucoup, Jérémy, de nous l'envoyer. Voilà, donc article absolument passionnant, encore une fois. Et donc, vous voyez qu'au départ, au tout début, on avait une vision très connexionniste des choses. Alors, attention, au début, on est dans les années 40. Donc là, l'informatique, ce n'est quand même pas celle d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on était assez loin. Votre smartphone, on en aurait fait rêver plus d'un. On était sur une approche très, très non-informatique. D'ailleurs, ce n'était pas des informaticiens, hein. C'était des biologistes, des physiologistes. Voilà, on avait tous les domaines de pensée qui s'étaient regroupés pour essayer de réfléchir, notamment dans les conférences de Massy, sur ce qu'était l'intelligence et comment on pouvait essayer comme ça de comprendre l'intelligence, de reproduire l'intelligence. On ne parlait pas d'intelligence artificielle à l'époque. Voilà, donc ça, c'était un premier courant de pensée, donc, où ils se sont appuyés sur le neurone artificiel. On a imaginé des neurones, on regarde comment fonctionne un cerveau humain, animal. Et puis, on va essayer de reproduire la même chose. Et le premier résultat important qui a été proposé, c'était le perceptron en 1957, pour une machine, une vraie machine fabriquée par Frank Rosenblatt, qui était capable, comme ça, de faire de l'intelligence, enfin, artificiellement de l'intelligence. Donc, un extrait de la publication, Frank Rosenblatt à droite. Et là, c'était un classifieur, en fait, hein, un classifieur en un neurone. Mais avec le même principe, c'est-à-dire que voilà, on a un signal en entrée, une fonction d'activation et un résultat. Et ce classifieur était capable de donner des résultats remarquables pour l'époque, puisqu'il était capable de classifier des choses, faire distinction entre des ronds, des carrés, des triangles, des choses comme ça. Enfin, c'était un classifieur linéaire, capable de résoudre des problèmes comme celui que vous avez ici. Donc là, c'est pareil, c'est un des notebooks qui est disponible. Donc, sur un très vieux dataset qui date des années 30, celui-là, où on essaye de classifier des fleurs à partir des caractéristiques
de leur pétale. Et donc, voilà, vous avez ici comme ça le résultat. Donc, on voit qu'on a une séparation linéaire entre les deux. C'est normal, puisqu'encore une fois, on a un seul neurone et on a un classifieur à un neurone. Donc, ça marchait très bien, sauf que ça avait des limites, puisque, en fait, avec un seul neurone, ben, on ne sait traiter que des problèmes linéaires. Et ça a été mis, ça a été retenu et mis en exergue par les tenants de l'approche symbolique qui ont commencé à prendre la main. À partir du moment où on a commencé à avoir des ordinateurs efficaces, hein, à partir des années 50, on commence à vraiment avoir de la puissance de calcul, on commence à avoir de l'informatique utilisable, et puis donc évidemment tous les spécialistes autour, et des résultats évidemment qui étaient très intéressants, parce qu'encore une fois, de l'informatique, on fait des calculs, mais on peut aussi faire des algorithmes, faire des systèmes on va dire à base de règles, des choses très évoluées. Et donc, ben, ils ont pris la main, hein. Cette communauté-là a pris la main, notamment au niveau des grandes universités, alors, de MIT, de Carnegie Mellon, Stanford. Ils ont trusté aussi tous les financements de la DARPA. Et puis, bon, ils ont eu des résultats qui étaient très intéressants, hein. Ils ont vraiment eu de très, très, très bons résultats. Et ils ont inventé le terme d'intelligence artificielle. Terme d'intelligence artificielle, et on le doit à McCarthy en 1956, et ils avaient des résultats qui étaient très positifs. Alors, d'une part, ils avaient de bons résultats, ils avaient trusté tous les financements, et puis ils ont bien vite identifié les limitations du perceptron avec sa contrainte linéaire. Et en 1969, bah, Minsky et Papert ont publié un ouvrage dans lequel ils mettaient ça en exergue. Ça a été la mort du synchrotron, la mort des connexionnistes. Et puis, fort de leurs résultats, bah, évidemment, ils ont promis monts et merveilles qu'on allait pouvoir faire des avions autonomes, des voitures autonomes, des chars autonomes, traduire le russe en américain automatiquement, etc. Dans les années en pleine guerre froide, c'était pas mal. Sauf qu'évidemment, ça ne s'est pas bien fait. Ce n'est pas arrivé tout de suite, on va dire ça comme ça. Ça s'est même très mal passé, puisque les progrès, les promesses et les progrès attendus n'ont pas été au rendez-vous. Et donc, bah, évidemment, les choix politiques ont été draconiens. Il y a eu des rapports qui ont été faits. Et tous les financements se sont taris. Et on a eu ce qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle, comme ça, qui est arrivé donc, dans les années 70, où la plupart des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle ont été un petit peu gelées. Quoi. Voilà. Pour ça, on peut vraiment parler d'hiver de l'intelligence artificielle. Alors là, tout le monde est mort, hein. Connexionniste ou symbolique, évidemment. Toutes les deux approches ont perdu tous leurs moyens et ont perdu beaucoup de ressources. Alors, la recherche ne s'est pas arrêtée pour autant, hein, c'est-à-dire que les laboratoires de recherche ont continué à travailler, notamment au Canada. Alors, d'un côté, on avait quand même des gros progrès, hein, qui ont continué à se faire du côté de l'approche symbolique avec les systèmes experts. Hein, on est dans les années 80, les années 80, on avait la grande époque des systèmes experts avec le système LISP notamment, qui marchait très bien. Et puis, du côté de l'approche connexionniste, il y a quand même quelques équipes qui ont continué à travailler. Et deux choses vraiment fondamentales qui sont apparues, c'est la rétropropagation donc de Rumelhart en 86, et puis les réseaux convolutifs avec Yann Lequin. Alors, Yann Lequin qui avait aussi travaillé sur les problématiques de rétropropagation. Alors, cette rétropropagation, c'est quoi? Ben, quand on a un neurone tout seul comme ça, on a vu qu'on était restreint à résoudre des problèmes strictement linéaires. L'idée, ça va être de constituer, de mettre tous ces petits réseaux, tous ces petits neurones en réseau, de constituer un réseau complet. Alors, avec une couche d'entrée donc, qui permet d'absorber, on va dire, l'observation, les composantes de l'observation en entrée, un vecteur en entrée. On a une première couche de réseau, de neurones pardon, qui prend, capable de prendre chacune des composantes de l'observation en entrée. Chacune des caractéristiques, pour prendre des bons mots. Ensuite, on a un certain nombre de couches de réseaux qui sont derrière, qui sont cachées, qui sont interconnectées entre elles. Donc, chaque neurone prend en entrée la sortie de tous les neurones de la couche d'avant et puis va propager son résultat vers tous les neurones de la couche d'après. Et puis, à la fin, on a une couche de sortie avec des neurones de sortie qui vont permettre comme ça de produire chacune des composantes du vecteur de sortie. Voilà. Alors ça, c'est... Avec une architecture comme ça, on a une somme pondérée, de somme pondérée, de somme pondérée, tout ça interconnecté. On n'est plus dans un cadre linéaire. On arrive à casser la linéarité pour avoir quelque chose de complètement non linéaire, d'appréhender des choses complètement non linéaires. Et la grosse, une autre vue de ça, mais qui est exactement la même. Et la grosse difficulté, c'est voilà, comment effectuer l'apprentissage de comment forger, on va dire, le poids de tous ces neurones. Voilà. Et donc, on va le faire de la manière suivante. On va avoir donc, on a une observation, on va avoir une première phase qui est le feed forward, donc l'apprentissage avant, on va dire.
Donc, on a un ensemble d'observations, un dataset. Hein, donc, ça, c'est nos données d'apprentissage. Nos observations, chacune de nos observations a des caractéristiques composantes, ça, c'est les vecteurs. On va donner ça en entrée à notre réseau. On obtient une sortie, donc une prédiction. On va appeler ça une prédiction, notre Y chapeau. Cette prédiction, on va la comparer à la valeur attendue, à ce qu'on espère avoir comme prédiction réelle, à la réalité. On est sur du supervisé. Hein. Donc, pour chacune de nos observations ici, pour chaque XI de notre dataset d'apprentissage, on a un YI qui est la prédiction que l'on attend. Voilà. Et on va comparer cette prédiction attendue à la prédiction, ce qui sort de notre réseau, notre YI chapeau. Et on va comparer les deux. On va comparer les deux à travers une fonction de perte. Donc, alors ça peut être une RMSE, enfin une MSE en général, comme celle que l'on a vue tout à l'heure, ou une fonction un peu plus élaborée, comme une classification. Enfin, en tout cas, on a une fonction de perte qui va comparer ce que l'on attend à ce que l'on espère. À partir de cette différence, on va faire une descente de gradient et on va propager, mettre à jour les poids de notre réseau de manière arrière cette fois. C'est-à-dire qu'on va partir des neurones de sortie et on va mettre à jour progressivement notre réseau en remontant à l'intérieur du réseau. On ne va pas rentrer dans le détail là, de cet algorithme de rétropropagation, mais la philosophie est là. On va donc faire notre descente de gradient en mettant à jour les poids de notre réseau. On verra durant la séquence je ne sais plus le numéro de la séquence, 4, je crois, c'est la séquence mathématique. Laurent nous présentera plus en détail cet fameux algorithme de rétropropagation. C'est absolument passionnant et simple. Voilà, donc on met à jour notre réseau et puis on recommence. Donc chacun de ces cycles, on va appeler ça une époque, la terminologie qui va bien. Et on va recommencer, c'est-à-dire qu'on reprend nos données d'apprentissage, on refait une boucle avant, c'est-à-dire qu'on repasse nos données à travers notre réseau, on récupère des prédictions, donc on va passer nos valeurs par paquet, on va travailler par batch, on va prendre 128 valeurs, boum, on les donne au réseau, on récupère 128 prédictions, on compare ça aux 128 valeurs attendues, on calcule notre fonction de perte, enfin le gradient de notre fonction de perte, et on rétropropage, on met à jour nos poids, et on recommence une nouvelle époque. Et on va faire comme ça des époques un certain nombre de fois, de manière à affiner nos poids. En fait, on fait la même chose, au lieu de faire sur un seul neurone, on le fait sur l'ensemble des neurones, avec cette fameuse rétropropagation qui permet de mettre à jour l'ensemble des poids de l'ensemble de nos neurones. Voilà. Alors là, ça change la donne, parce que là, cette fois, on peut commencer à s'attaquer à des problèmes qui sont non linéaires et avoir quelque chose comme ça de très, très, très efficace. Voilà. La deuxième évolution majeure, c'est les réseaux convolutifs. Donc ça, c'est ce que l'on verra la prochaine séquence. Des réseaux qui sont capables de manger, capables de traiter des images, alors des images ou des courbes, hein, ou des espaces à plus que deux dimensions. On verra que c'est quelque chose qui est extraordinairement puissant et efficace. Voilà. Et donc là, on a deux choses, vraiment deux verrous qui sautent et qui permettent de vraiment aller beaucoup plus loin. Puis en plus, on commence à avoir des machines qui sont capables de calculer. Donc là, ça se présentait plutôt bien. Et en plus, dans le camp d'en face, du côté des symboliques, les systèmes experts commençaient à tirer la langue parce que on sait que les systèmes experts sont très efficaces sur certains types de problématiques. Mais quand on veut casser des photos de petits lapins et de petits chats, ça ne marche pas bien. Ce n'est pas très efficace. Voilà, plus des problèmes structurels, il y a la disparition des machines NISP. Enfin, en tout cas, ça ne se passait pas bien du côté symbolique. Et puis, du côté du monde connexionniste, on a réussi à faire sauter un verrou. Donc, ça se passait très bien, sauf que les mathématiques aussi ont progressé pendant ce temps-là. Et toujours dans le monde connexionniste. Hein, le monde connexionniste, il n'y avait pas que les réseaux de neurones. Et notamment avec Vapnik en 1995, une autre approche est arrivée en concurrence avec SVN. Qui a donné des super résultats, qui a donné des résultats de classification d'images qui étaient quand même très, très bons, à des coûts qui étaient relativement raisonnables en termes de puissance de calcul, parce qu'on est quand même dans les années 95, 90, on n'est pas là, on n'est pas des puissances de calcul monstrueuses. Et là, dans le monde connexionniste, il y a eu le règlement de compte, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, le monde des réseaux de neurones s'est retrouvé marginalisé à nouveau parce que les collègues matheux, les collègues du monde mathématique, avec notamment SVM, ont pris la main avec des résultats qui étaient très bons, ils ont pris la main avec raison et ont réussi comme ça à truster un petit peu le panorama du monde de la recherche. Et on parle à ce moment-là du deuxième hiver de l'intelligence artificielle, alors qu'il y a un hiver de l'intelligence artificielle du monde des réseaux de neurones. Voilà. Alors, ça aurait pu bien se passer, mais ça ne s'est pas bien passé pour les tenants et les spécialistes des réseaux de neurones à cette époque-là, puisqu'en fait, ils ont été un petit peu ostracisés.
Voilà, quand on écoute les témoignages de Yann LeCun ou Hinton, etc., c'était une période qui était un petit peu difficile parce qu'il était effectivement un petit peu regardé de travers. Voilà. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très important, c'est que là, on regarde sur ces deux courbes. À gauche, vous avez l'augmentation des puissances de calcul. Et on voit qu'entre les années 90 et les années 2020, si je transpare après, on a un facteur 10 puissance 6 en termes de puissance de calcul. Ça, c'est sur le top 500 des machines de calcul, mais c'est exactement la même croissance de puissance de calcul sur votre bureau ou dans votre smartphone. Enfin, sur les smartphones des années 90, ce n'était pas terrible. Voilà, donc, on a une puissance de calcul qui est disponible, qui a complètement explosé. On a l'arrivée d'Internet aussi, enfin la banalisation d'Internet, et donc des datasets et des besoins tout aussi importants qui sont apparus. Et donc, si on regarde à droite la courbe de croissance des tailles de datasets, et encore là, on peut continuer, on est sur des échelles logarithmiques à chaque fois. Attention, ce n'est pas linéaire, on est sur des échelles logarithmiques. On voit qu'on a une croissance absolument extrême des tailles de datasets. Voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était capable… Alors déjà, on avait de la puissance de calcul. Donc pour les réseaux de neurones, le facteur limitant était quand même la puissance de calcul. Donc là, on a maintenant vraiment de la puissance de calcul de disponible, en face de besoins qui sont devenus beaucoup plus complexes, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des petits datasets de laboratoire, on est sur des datasets constitués du monde réel, quoi. C'est-à-dire que ce soit des photos issues de Facebook, de l'Internet, etc., on a des besoins qui sont devenus très, très différents des besoins de laboratoire du départ. Et ce qui s'est passé, et la chose suivante, c'est que là, on a à gauche, et à droite, les résultats donc les publications à gauche et puis les résultats de la compétition ImageNet à droite. Et en 2012, donc c'est une compétition ImageNet, c'est-à-dire qu'on a une grosse base, un gros dataset d'images, et puis le but du jeu, c'est de classer les images le mieux possible. Voilà, donc ça s'est tripé sévèrement à des petits pourcentages avec des approches de type SVM, avec des résultats qui étaient très satisfaisants. Et puis un jour, quelqu'un est arrivé, un doctorant est arrivé, avec un réseau de neurones, et AlexNet, en 2012, et le réseau de neurones a divisé par deux le taux d'erreur. Là, ça a mis tout le monde d'accord. C'est ce que vous avez à droite ici. Voilà, AlexNet est arrivé. Et vous voyez, par rapport au CADOR, donc les meilleurs laboratoires du monde ont été complètement scotchés par le résultat de ce réseau de neurones. Voilà. Alors, c'est arrivé parce que les datasets étaient devenus de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à appréhender par des méthodes de type SVM. SVM avait atteint ses limites, cette approche avait atteint ses limites. Et puis surtout, la puissance de calcul disponible était devenue suffisamment importante, l'offre était suffisamment disponible de manière à pouvoir avoir des réseaux de neurones complexes. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est la bascule. Vous avez à gauche comme ça, donc ça c'est une courbe très simple que j'ai faite à partir de Web of Science, en recherchant par mots-clés les publications de type SVM et de type réseau de neurones. Et on voit qu'à partir des années 2010-2015, il y a une inversion une explosion, on va dire, des réseaux de neurones qui est apparue. ImageNet se situe à peu près à ce niveau-là. Et on voit un petit peu la résolution, l'inversion des publications. Voilà. Voilà un petit peu l'histoire. Et alors, depuis, évidemment, les réseaux de neurones se sont un petit peu banalisés dans beaucoup, beaucoup de domaines, pas seulement dans le cas de la classification d'images, mais dans le traitement du langage naturel, dans tous les problèmes de régression, dans le génératif, etc., etc. C'est que le début de l'histoire. Voilà un petit peu. Jean-Luc, il y avait une question là, peut-être à propos de ça. C'était juste dans l'approche symbolique aujourd'hui, il y a des exemples de modèles qui sont avec l'approche symbolique qui marchent. Alors, alors, je ne pourrais pas en citer comme ça parce qu'ils ne sont pas forcément emblématiques, mais l'approche symbolique, elle est omniprésente. Hein. Oui. L'informatique symbolique, c'est toute celle qu'on utilise au quotidien, finalement. On a une expertise, l'expertise sert à développer un programme et le programme sert à traiter des données. L'approche symbolique, c'est quand même ça en grande partie. Après, les systèmes experts, ils fonctionnent très bien pour un certain nombre de problèmes. Il y a des tas de problèmes que les systèmes experts sont parfaitement à même de résoudre. Alors, on ne les voit pas forcément comme ça autour de nous, mais les automates et toutes ces choses-là, on peut appeler ça une forme d'intelligence. Et c'est absolument efficace et incontournable. Voilà. Après, c'est pas eux qui ont le micro et c'est pas eux qui sont sous les projecteurs. Voilà. Et après, il n'y a pas eu d'explosion de révolution dans ce domaine-là, sans doute, peut-être aussi. Voilà. Après, l'approche symbolique a une qualité gigantesque, c'est que si vous prenez le programme, vous comprenez ce qui se passe.
Dans le cas de l'approche avec des réseaux de neurones, et on verra, ça fera partie de longues discussions que l'on aura tous ensemble, c'est que si vous prenez votre modèle, vous regardez votre modèle, vous ne comprenez rien, c'est une boîte noire. Voilà. Donc, dans un certain nombre de domaines, si vous voulez faire fonctionner un avion ou une centrale nucléaire, je pense que beaucoup préféreront utiliser l'approche symbolique pour essayer de comprendre un peu comment ça marche et avoir en tout cas une compréhension de ce qui pilote la chose. Quoi. Voilà. Et dans notre réponse, on avait parlé effectivement de la robotique. Bon, si on... L'exemple des voitures autonomes, par exemple, bon, bien sûr, ils se servent de un peu de réseau de neurones pour détecter des choses, etc. Mais oui, c'est sûr, c'est plus... disons que c'est... à 80%, c'est du symbolisme, et puis à 20%, c'est du connectivisme. Mon pourcentage est complètement au pif, hein, mais c'est l'idée. Quoi. je rajouterai par rapport à ça aussi, pour compléter ma réponse que j'ai donnée sur le forum. L'avantage de cette méthode-là, c'est pour de l'embarquer. En termes de puissance de calcul nécessaire, ça permet d'être beaucoup plus léger. Vu qu'on n'a pas un réseau de neurones complexe à traverser, c'est beaucoup plus rapide aussi au niveau des latences. On peut avoir des résultats performants. Voilà, tout à fait. Hein. Il y a des tas. Un message très important qu'on va tous essayer de porter, c'est de dire que le bon outil pour résoudre un problème, c'est celui qui marche. Quoi. Voilà, donc, on va vous vendre du réseau de neurones, certes. Donc, le réseau de neurones est très efficace pour tout un tas de problèmes. Mais il y a tout un tas de problèmes où il n'y a pas besoin d'avoir des millions de neurones ou quoi que ce soit de compliqué. Encore une fois, une régression linéaire peut donner un résultat extrêmement performant, extrêmement important, extrêmement efficace. Ou des systèmes à base de moteurs d'inférence de type système expert. Tout à fait. Et un des grands avantages, effectivement, c'est le coût de mise en œuvre, hein, notamment sur des IoT ou des choses qui ne sont pas très grandes. Tout à fait. Pour aller dans ce sens-là, vous voyez, le blob que j'avais mentionné tout à l'heure, il n'y a pas un seul neurone dedans, et pourtant, il y a un comportement intelligent du blob. Quoi, voilà. Donc, il y a plein d'autres manières d'appréhender et d'avancer. Voilà, on va passer à... tout ça, c'est de la causerie, c'est très bien, mais on va essayer d'appréhender maintenant des exemples concrets. Donc, on a vu, on va s'intéresser à un premier cas, qui est celui de la régression linéaire. Régression non linéaire, pardon, avec un réseau de neurones, de faire une régression, donc de faire une prédiction de valeur. Donc, le principe de ce type de réseau est très simple, finalement, c'est qu'on a des observations en entrée, donc ce sont nos XI, hein, on a un ensemble de données en entrée, avec un réseau de neurones, avec notre réseau de neurones, si je le prends comme ça, est-ce que ça va marcher? Notre réseau de neurones ici, vous voyez, je ne sais pas pourquoi il veut me l'afficher comme ça. Alors, attendez, tac, 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 tac. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Attendez, j'ai perdu mon feutre. Voilà, mon feutre, il est là. Voilà. Donc, on a ici notre couche en entrée. Notre couche en entrée, elle est là pour récupérer les composantes de notre observation, les caractéristiques de notre observation. Hein, nos observations, c'est le point ici. Donc là, l'exemple que l'on va voir, ça va être une classification de 20. Voilà. Donc on a changé, on est passé du Boston, du dataset de Boston, on essayait de faire une prédiction du prix de maison à Boston dans les années 60, à quelque chose d'un petit peu plus contemporain, peut-être un petit peu plus rigolo. Donc on va partir de composition de 20, donc on a des 20. On a eu une analyse chimique, donc on a passé ça dans des machines, on a récupéré la composition chimique, le pH, etc., un tas de caractéristiques physiques de notre vin, et on a des classifications, des notes de ces vins, de 0 à 10, d'un très mauvais vin à un vin absolument excellent, voilà, fait par des... Et l'objectif, ça va être d'essayer de, à partir de la composition de ces vins, enfin de l'observation de ces vins, de prédire la qualité œnologique des vins. Voilà. Donc, en entrée ici, sur cette couche en entrée, on va prendre nos vins, on va les rentrer dans notre réseau avec des couches cachées, on va récupérer en sortie ici, alors on aura un seul neurone en sortie, puisqu'on va récupérer une note, hein, on ne va pas récupérer un ensemble notre vecteur, c'est un vecteur d'une seule composante, hein, c'est un scalaire qu'on récupère en sortie, et on a notre couche de sortie qui est composée d'un seul neurone, et on récupérera une valeur qui sera la valeur qui nous intéresse. Voilà. Je relance une dernière fois de l'autre côté, en parallèle. Tac, voilà. Alors, l'apprentissage va se faire de la manière dont on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir nos observations, on va les donner au réseau, on va récupérer une prédiction, on va comparer cette prédiction à la valeur attendue, donc à la note attendue. On va calculer...
le gradient de notre fonction de perte, et à partir de ce gradient, on va les mettre à jour les valeurs de notre réseau de neurones. Voilà, et puis on va itérer comme ça à travers un certain nombre d'itérations. Chacune de ces itérations, on appelle ça une époque. Voilà. Alors, une chose très importante, et ça c'est propre à nos réseaux de neurones, mais c'est propre à l'apprentissage machine en règle générale, et à l'apprentissage même dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on va, on va séparer nos données en deux groupes, en deux sets. On va prendre un premier set, on va prendre mon feutre, que je prends celui-là. Donc, voilà. On a notre premier set qui est ici, qui est, on va prendre par exemple à peu près 80% de nos données, 70-80%, enfin une grosse partie de nos données, et on va s'en servir pour faire notre apprentissage, comme on a vu tout à l'heure. Donc on s'en sert, on fait une prédiction, on regarde la différence entre la prédiction et ce que l'on attendait, on calcule le gradient, on met à jour nos poids et on recommence comme ça. Et on va itérer comme ça, hein, de cette manière-là, à travers N époques, un certain nombre de fois. Et on va regarder la courbe d'apprentissage de notre résultat. La courbe d'apprentissage, c'est la précision de nos notes, ou en tout cas la qualité de la prédiction que l'on a. Une fonction de perte, tout simplement. Hein, voilà. Et on observe en général, on a une progression qui est de ce type-là, hein, qui est une progression un petit peu linéaire, non linéaire, pardon, asymptotique, de cette manière-là. Mais enfin, en tout cas, ça progresse, ça progresse, ça progresse, ça progresse. Et ça progresse à peu près tout le temps, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment asymptotique, parce qu'on va avoir une progression tout le temps, ça va s'améliorer en permanence. Mais, alors ça, c'est l'apprentissage, c'est comme quand on est à l'école, si on travaille avec les exercices, on s'évalue sur les exercices avec lesquels on apprend, c'est beaucoup plus facile, évidemment, et on va pouvoir s'améliorer jusqu'à améliorer, s'améliorer encore. Voilà. Et à côté de ça, on a le reste de nos données, hein, c'est nos 20% de données restantes ici, que l'on va conserver, pour un set d'évaluation, voilà, de tests. Et ces données de tests, on va les utiliser de temps en temps comme ça. Alors, on s'en servira pour tester notre modèle, mais pas pour faire de l'apprentissage, uniquement pour tester. En gros, c'est les exercices que le prof il a gardés pour l'examen, enfin pour l'interro, pour la colle. Voilà. Donc, ces données de tests ici, on va les présenter au réseau. On va récupérer comme ça un résultat. Et on va regarder comme ça, au fil des époques, comment progresse la qualité de notre apprentissage. Donc là, on va avoir une courbe qui va plutôt être une courbe de ce type-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une progression, et puis à un moment donné, on va avoir un maximum, et puis après, on va faire entrer dans un cycle de surapprentissage, justement. Donc, pour évaluer la qualité de notre apprentissage, ce que l'on va regarder, c'est vraiment... les données de notre ensemble d'évaluation ou de tests ici. D'accord ? On fait l'apprentissage avec des données, d'accord ? Et puis on évalue avec des données spécifiques. C'est exactement comme dans le vrai monde, c'est-à-dire que dans le vrai monde, à l'école ou à l'université, on apprend avec des exercices de TD, etc. Et puis un jour, on a l'examen, on va sortir d'autres exercices qu'on n'a jamais vus et on fera l'évaluation uniquement sur ces exercices-là. Voilà. Et le but du jeu, c'est de bien séparer la partie apprentissage de la partie test, c'est-à-dire que la règle absolue, c'est que les données de test ne doivent en aucun cas servir à l'apprentissage. Sinon, évidemment, on a un biais totalement évident. Voilà. Voilà. Je pense que ça, c'est assez clair. Et puis, on va le voir par l'exemple. Voilà. Donc, le premier exemple que l'on va aller voir, c'est notre exemple Wine 1. Où on va comme ça essayer de prédire la qualité de nos vins. Alors, je vais prendre l'attestation non reçue, je relance une toute dernière fois. Voilà. Après, il est possible que des mails mettent un certain temps pour être acheminés. C'est le cachet de la poste qui fait foi. Donc, si vous avez envoyé votre mail, c'est bon, il n'y a pas de problème, même s'il arrive un petit peu plus tard, on vous l'enverra quand on recevra votre mail. Les mails peuvent mettre un peu de temps à arriver, ça, ce n'est pas un souci. Voilà, donc là, je vais prendre une fenêtre, un shell, on va lancer notre environnement. Je vais agrandir un petit peu ça. Alors, deux approches pour faire marcher notre environnement, donc soit avec Docker, soit avec en canal historique, directement avec pip. Donc là, on va essayer avec Docker. Allez, hop. Donc, je reprends mon Docker start-i fiddle. Alors, si vous utilisez Docker desktop, je dois faire démarrer mon Docker desktop pour le montrer au moins une fois. Voilà, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette fenêtre-là, ce n'est pas cette icône-là, c'est celle-là. Où est-ce qu'il est, mon Docker desktop? Ah, voilà. Voilà, il est ici. Alors, il démarre, il a démarré. Voilà.
Donc, vous avez ici, dans le Docker Desktop, les images qui sont disponibles. Donc, ça, c'est l'image que vous avez téléchargée en suivant la documentation de Soraya. Et puis, le container qui a été instancié ici, qui est là. Voilà. Donc, pour faire démarrer mon container, je peux utiliser l'interface graphique avec le petit bouton ici et puis aller voir le résultat. Ça, c'est avec l'interface graphique. Sinon, je fais exactement la même chose avec le Docker Start -i Fiddle, comme ça. Voilà. Donc là, alors là, j'espère que la machine ne va pas exploser avec tout ce qui tourne en même temps. Voilà, ça prend un petit peu, je vais agrandir, passer en plein écran ici. Voilà. Donc vous avez quelque chose comme ça qui démarre. C'est exactement la même chose quand vous lancez votre JupyterLab si vous avez installé votre environnement avec PIP. Et donc, vous avez l'URL ici de démarrage de JupyterLab. Voilà, donc je clique dessus et j'ai mon JupyterLab qui démarre quelque part sur ma machine et je vais aller le récupérer parce que j'ai deux écrans. Évidemment, ça démarre toujours sur l'autre écran, mais je l'ai, voilà, qui démarre ici et qui a réussi à démarrer. Voilà. OK, donc ça, je vais renvoyer ma fenêtre un petit peu ailleurs. Je n'ai plus besoin de celle-là. Je vais la miniaturiser pour ne pas la perdre. Et j'agrandis. Voilà. Donc là, ça devait y avoir quelque chose comme ça. Voilà. Je pense que vous devez tous avoir cet écran de présentation comme ça. Ici. OK. Voilà. Si on démarre avec... oui, au ban pour tester des vins, j'ai peur d'avoir qu'il y ait un biais. C'est pas faux. Je n'avais pas de dataset sur les whisky. Bon, voilà. Je réagis à une petite remarque de je ne sais plus qui, c'est passé trop vite, je n'ai pas eu le temps de lire, de Laurent. Voilà. OK, donc voilà. Une fois que vous avez démarré votre environnement Jupyter, on est tous au même niveau, que ce soit par le biais de l'environnement PIP ou par le biais de l'environnement Docker. Honnêtement, on vous conseille Docker parce que là, c'est beaucoup plus simple pour manipuler, et surtout si on fait une mise à jour de l'environnement, vous récupérez une nouvelle image, ça va tout seul. Voilà, bon, après, qu'importe l'environnement, ce qui compte, c'est l'ivresse du notebook. Voilà, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse un petit peu, sache un petit peu ce qu'est un notebook, donc on va commencer tout de suite par regarder ce qu'est un notebook de manière très, très simple. Alors, on peut utiliser JupyterLab de cette manière-là. Ça, c'est la manière traditionnelle, hein, c'est-à-dire qu'à travers un browser, on accède comme ça à cette interface JupyterLab. Donc, en gros, vous avez une arborescence d'un côté, et puis on va pouvoir travailler sur cette arborescence. Je vais fermer ça, je n'ai pas besoin d'avoir ça là tout de suite. Voilà. Vous pouvez également utiliser vos notebooks avec d'autres environnements, comme par exemple Visual Code Studio, hein, qui permet, donc là on est vraiment dans un environnement de développement de très haut niveau, mais qui est capable aussi de gérer des notebooks. Alors, on va créer un premier notebook tout bête, hein, on va prendre l'icône que l'on a ici, créer un notebook Python 3 que l'on a ici. Voilà, donc je clique là-dessus et puis j'ai un notebook qui est untitled, hein, qui apparaît ici. Alors, vraiment, là, on va prendre 30 secondes juste pour voir un petit peu à quoi ça sert, comment ça s'utilise. Le notebook est constitué de cellules, d'accord? Donc, vous avez des cellules comme ça, et là, on a une cellule, là, on a une autre cellule. Chacune de ces cellules, c'est une petite partie, en fait, hein, peut contenir du code informatique ou ce qu'on appelle du markdown pour afficher du texte. Alors, si je prends la première cellule ici, par exemple, je vais afficher un titre, je vais faire une cellule de type markdown et pas de type code. Vous voyez ici, vous avez code. Si je regarde le petit triangle ici, on peut avoir quelque chose en markdown. Donc, je vais me mettre en markdown. Et là, cette cellule va être du markdown. Alors, le markdown, c'est quoi? C'est du texte. S'il y a du texte, par exemple... Est-ce que vous arrivez à lire? Alors, si je peux cliquer ici, ça va réduire à gauche. Tac, comme ça, c'est un peu plus. J'ai agrandi un petit peu. Voilà, du texte. Voilà, donc là, j'écris du texte dedans. Et ce texte, je vais l'intégrer ensuite. Cette cellule, je vais l'exécuter. Alors, pour l'exécuter, soit j'utilise le petit bouton qui est ici. Ça a transformé ma cellule en son résultat. Donc, c'est du texte. Si je double-clique dessus, je réédite ma cellule. Je peux aussi exécuter ma cellule en faisant Shift Return. Donc, je fais Shift Return et ça exécute ma cellule. Voilà. Alors, le markdown, c'est quoi? C'est du texte et c'est du texte qui peut être amélioré. Par exemple,
si je mets un dièse comme ça, c'est un titre de niveau 1, ça c'est un titre de niveau 2, ça c'est un titre de niveau 3. Allez, on va faire un titre de niveau 1, et ceci est, non plus du texte, mais un titre. Et puis ça, c'est bien du texte. Voilà. Et donc là, dans ma cellule, j'ai mis comme ça mon texte enrichi. Hein, on appelle ça du markdown. Vous trouverez sur markdown. Voilà. Vous trouverez sur Google et votre moteur de recherche favori et votre ami vous donnera, permettra de trouver toute la documentation de ce fameux markdown. En fait, et ensuite, j'exécute ma cellule, donc soit avec le petit bouton ici, soit avec le shift return, et ça me le transforme. Et c'est magique. Voilà, donc là, comme ça, on peut avoir du texte enrichi, de la documentation, des commentaires à l'intérieur de notre document. Voilà, ça, c'est les cellules de présentation. Et puis, vous avez les cellules de code. Donc là, cette cellule-là, par contre, c'est du code. Voilà, donc, bah, si c'est une cellule de code, je veux écrire du code Python. Voilà, bonjour tout le monde. Et je vais y arriver. Hop! Voilà. Et là, pareil, j'exécute ma cellule avec le petit bouton ici ou avec un shift return, et ça exécute le programme. Voyez, donc là, bah, j'ai exécuté ma cellule et j'ai le résultat de la cellule qui s'affiche dessous. Alors, là, un notebook, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors après, vous pouvez mettre des paramètres ici, créer une nouvelle cellule, créer dans la deuxième cellule, allez, oh, pardon, tac, je vais y arriver, je vais mettre un ici. Je crée une nouvelle cellule. Alors, vous voyez, la cellule ici a été exécutée. Il y a un petit chiffre à côté. Là, ces deux cellules n'ont pas été exécutées. Voilà. Et puis, je fais C égale A plus B. Et puis, je fais print. Allez, le résultat est deux points. Et deux points, je mets les deux points, virgule C. Voilà. Et je vais exécuter ma cellule. J'exécute ma cellule, alors shift return, hein, ou le petit bouton ici. Donc j'ai instancié mon A, j'ai instancié mon B, et puis j'exécute ma cellule ici. Ah, et puis évidemment, j'ai oublié le guillemet. Donc quand il y a des erreurs, eh bien, on a le message d'erreur qui apparaît. Et puis quand on corrige l'erreur, ah, je réexécute ma cellule, et puis j'ai le résultat ici. OK ? Voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez modifier ici. Voilà, j'exécute ici. Et je réexécute ma cellule, etc. Donc, on n'est pas obligé d'exécuter le code dans un ordre linéaire. Donc, attention, ça peut être un petit peu casse-gueule au bout d'un moment. Mais voilà le principe. Donc, en gros, vous avez des cellules de commentaires, des cellules de code, et puis vous pouvez exécuter vos cellules une par une. Vous voyez, c'est extrêmement souple, extrêmement simple à utiliser, extrêmement ludique. Voilà. Voilà. Comment faisait-on avant, avant les notebooks ? Voilà. Allez, revenons à nos... je vais faire ça, je vais la virer. Hop là. Et donc, dans notre distribution, vous avez une quarantaine de notebooks comme ça qui sont proposés, avec un README ici, qui est donc pas le README.md, qui est du pur markdown, mais le README.ipynb, qui est le document README avec la liste de tous les notebooks qui sont disponibles. Voilà, donc bon, il y a beaucoup de baratins, évidemment, et la partie qui nous intéresse, ça va être d'aller voir dans les Basic Regression Using DN, donc le Dense Neural Network, d'aller voir le notebook pardon, qui s'appelle Wine 1. Voilà, donc vous descendez dans la partie Basic Regression Using DN, vous pouvez choisir le notebook Wine 1 qui va démarrer et qui a démarré. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit peu comment fonctionne ce notebook dans le détail pour que vous puissiez le réutiliser ensuite, l'adapter avec d'autres datasets sur des problématiques assez similaires. Alors, on va passer un petit peu en détail chacune des cellules pour bien comprendre, que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Puis après, bah, tête reposée, vous replongerez dedans. Et vous verrez, en fait, c'est vraiment très simple, très intuitif. Quoi. Voilà. Entre le principe du notebook qui est assez pratique et puis Keras qui est très, très, très synthétique, vous allez voir qu'on est sur quelque chose d'assez simple. Je vais me mettre en plein écran. Est-ce que je arrive à me mettre en plein écran? Pourquoi il ne veut pas me mettre en plein écran? Plein écran, voilà. Je ne sais pas pourquoi le F11, il ne voulait pas me le prendre. Voilà, je vais gagner un petit peu de place comme ça. OK, donc l'objectif, c'est de déterminer, de prédire la qualité de notre vin à partir de son observation. Donc, on a un dataset ici. Donc, c'est un dataset que l'on doit à Paolo Cortés de l'université de Minho, donc l'université VO. Donc, un dataset portugais, de vin portugais, qui contient un millier d'analyses à peu près.
les paramètres, les informations qu'on a dans les observations, les caractéristiques des observations que l'on a pour chacun de ces vins sont ici. Donc, on a la quantité d'acide citrique, de chloride, de pH, le taux d'alcool, etc., etc. Et le paramètre que l'on va essayer de deviner dans le dataset, c'est le dernier, la dernière colonne de notre dataset, c'est la qualité de notre vin. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est... ça va se dérouler de la manière suivante. Alors, si je reviens ici, on doit avoir un graphique ici. On va avoir ces différentes étapes. On va commencer par importer nos données, notre environnement Python et l'initialiser, excusez-moi. On va ensuite importer nos données, charger notre dataset, charger en mémoire. Donc, notre dataset, il est sous la forme d'un fichier CSV, donc un fichier de colonnes, en fait. Et puis ensuite, on va le préparer, d'accord ? Donc, le préparer, ça va être de séparer la part des données d'apprentissage des données de test, d'extraire la fameuse colonne que l'on souhaite prédire, notre colonne Y par rapport aux observations. Donc ça, on va découper un petit peu nos données pour les préparer. Ensuite, on va créer notre modèle, on va créer notre réseau de neurones. On va entraîner notre réseau de neurones et puis on va regarder le résultat. Voilà. Ça, ce n'est pas le bon dataset qui est représenté ici, mais l'idée est la même. Et le workflow est exactement le même. Pourquoi il ne veut pas... Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là ? Excusez-moi, je n'arrive pas à repasser sur... Voilà, c'est bon. Alors, donc on va récupérer nos données, etc., etc. Donc, la première étape que l'on a ici, c'est donc l'étape 1, c'est donc l'importation et l'initialisation de notre environnement Python. Donc là, je fais un... Donc, j'utilise la petite case ici. Allez, hop. Voilà, donc là, on voit qu'il y en a une petite étoile. C'est le temps que tout se mette en place. Donc là, on est en train de charger toutes les librairies Python. Il y a du monde derrière. D'initialiser un petit peu le tout, donc ça prend un petit peu de temps. Ma machine est un petit peu chargée. Alors, moi, je n'ai pas de GPU, je suis sur un portable. Donc, voilà, je suis dans le même. Je n'ai pas de situation privilégiée. Donc, alors, une particularité des notebooks Fiddle, c'est qu'on a un module Fiddle. Donc, ça, c'est la nouveauté de l'année. On a un vrai module Fiddle ici, que l'on initialise ici. Alors, il ne fait pas de machine learning, le module Fiddle. Il est juste là pour faciliter un petit peu l'affichage des images. Afficher, faire quelques calculs qui ne sont pas du deep learning en tant que tel, pour alléger un petit peu les notebooks. Voilà. Donc, vous avez l'initialisation ici, qui se passera tout le temps à peu près pareil. Donc, dans cette ligne-là, vous avez Wine1, qui est le nom du notebook, l'identifiant du notebook. On récupère un certain nombre de paramètres, dont un paramètre qui est rundir, qui est en fait un dossier de travail, qui en général est local, on reviendra, qui est ici, vous voyez, c'est un point slash run, slash wine1, dans lequel d'éventuelles images, des choses comme ça peuvent être rangées. Voilà, bon, on reviendra dessus progressivement, il n'y a pas de sorcellerie derrière. Et puis, ça affiche un petit peu les paramètres, les versions, quelques petits trucs comme ça. Voilà, bon, une fois que c'est instancié, il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que de juste exécuter la cellule. On a quelques paramètres que l'on va positionner. Donc, le fit verbosity, c'est juste pour afficher les barres de progression ou pas. Hein, voyez. Donc, si on met 0, il n'y a pas de barre de progression. Si on met 1, il y a une barre de progression. Si on met 2, on a une barre de progression qui s'affiche d'un seul. Le seul intérêt de ça, c'est quand on exécute les notebooks en batch pour faire de l'intégration continue, ça permet comme ça de ne pas polluer les traces. Voilà. Donc là, on laisse à 1. On a le nom du dataset. Donc, en fait, on a deux datasets. On a un dataset pour du vin rouge et un dataset pour du vin blanc. Là, on va prendre le dataset pour du vin rouge. Voilà. Donc, là, j'exécute la cellule. Peut-être agrandir un petit coup, que ce soit un petit peu plus grand. Voilà. Ça, c'est un petit peu de magie noire. Cette ligne-là, vous pouvez l'oublier. C'est juste pour pouvoir reparamétrer ces deux paramètres-là de manière... extérieur quand on fait justement quand on teste les notebooks, parce qu'en fait on teste tous les notebooks pour être sûr qu'ils fonctionnent bien. Donc ça, vous pouvez l'exécuter, mais vous pouvez l'oublier, ça n'a aucune importance. Ensuite, on va s'attaquer à la deuxième partie, qui est de récupérer les données. Alors, la récupération des données, là, nos données sont formatées d'une manière sont très classiques, c'est un tableau, on a un tableau de chiffres. Donc, on est sur des formats de type CSV, tout simplement, où chaque valeur est séparée par une virgule ou par un point-virgule.
Voilà, et puis c'est ligne par ligne ensuite. Donc, pour traiter ce type de format de données, on va typiquement utiliser Panda. C'est la librairie Panda. Alors, la librairie Panda, si vous ne la maîtrisez pas, c'est malheureusement un ticket d'entrée un peu incontournable dès l'instant où on travaille avec des données de type tableau de chiffres. C'est extrêmement puissant. Ça permet de faire, en gros, c'est mieux que Excel. C'est du Excel en mode ligne de commande. C'est du Excel sous Python. Voilà. Donc, c'est un petit ticket d'entrée au départ, mais c'est tellement puissant qu'on ne peut absolument pas s'en passer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sur cette ligne-là, on va lire notre fichier CSV, dont on a donné le nom au-dessus. On lui dit que l'entête avec les noms de colonnes, c'est la première ligne, et puis que le séparateur, c'est un point-virgule. Le séparateur pourrait être une virgule, par exemple, ou autre chose. Voilà. Et puis, on lit le fichier CSV et on récupère ce qu'on appelle un data frame. C'est un objet Panda, un data frame qui s'appelle data. Et puis ensuite, on va afficher ici les 5 premières lignes de ce dataset, de ce tableau. Ça, ce n'est pas indispensable, c'est juste pour formater les chiffres à virgule flottante de manière à ce qu'on n'ait que 2 chiffres après la virgule. Donc là, je reconnais qu'il y a un peu de magie noire sur cette petite partie-là, mais voilà, le seul truc qui est important, c'est que vous faites un display de data.add de 5 et vous affichez les 5 premières lignes de votre data frame. Et puis là, on va afficher, chose très importante quand on récupère un dataset, on va essayer de récupérer le nombre d'ennuis qu'on risque d'avoir dedans. Donc là, on va essayer d'afficher toutes les non-valeurs par ligne et par colonne et au total, donc en sommant par ligne, en sommant par colonne, de notre dataset. Et on regardera ce qu'on appelle, donc ça c'est une autre information très importante qu'on utilise avec NumPy, et la structure, le format de la structure de données de notre data frame. Voilà. Allez, on va voir par l'exemple, c'est plus simple. Donc là, on a notre dataset, les 5 premières lignes de notre dataset avec les différentes colonnes. Donc on retrouve les colonnes qu'on avait tout à l'heure, hein, l'acidité, l'acide citrique, les chlorides, le pH, la densité, etc. Et puis la qualité. Donc ça, c'est ce que l'on souhaite prédire. La dernière colonne, c'est la qualité. Voilà. On s'aperçoit qu'il n'y a aucune donnée absente et qu'on a donc 1600 lignes, 1599 lignes de 12 colonnes. Donc 12 colonnes sont ici. OK ? Allez, on va essayer de... On va préparer nos données. Donc, pour préparer nos données, en fait, c'est très simple. On ne va pas rentrer dans le détail du code, mais bien comprendre ce que l'on fait. Si je reprends mon crayon ici, voilà, il arrive. Je vais le prendre en rouge. Donc là, on a toutes nos données. Imaginons qu'on a nos 1600 lignes ici, etc. La première chose, c'est qu'on va séparer les observations de ce que l'on veut prédire. Donc, on va couper ça comme ça. De ce côté ici, ça va être X. Et puis, de ce côté-ci, c'est le Y que l'on souhaite prédire. D'accord ? Donc là, on a nos observations sur la gauche. Et puis, à droite, on a la colonne que l'on souhaite prédire. Ensuite, on va avoir un ensemble d'apprentissage et un ensemble de tests. Donc, on va couper notre dataset horizontalement, sans faire de centre dérapé, avec d'une part, d'un côté, la partie test, ici, et puis la partie train au-dessus. Voilà. D'accord ? La partie train, ici, on va en prendre 70% ou 80%, on verra, je ne sais plus comment c'est. Et puis, donc, si on en prend 80%, ici, on en a 30%. D'accord ? Voilà, donc on va couper en 4. D'un côté, on va avoir notre X-train, qui sont les observations d'apprentissage, le X-test, qui sont les observations que l'on utilisera pour le test, le Y-train, qui sont les prédictions attendues pour la partie apprentissage, et le Y-test, qui sont les prédictions attendues pour les données de test. Voilà. On va couper ça en 4. Donc là, c'est ce qu'on fait là-dedans. Donc très simplement, on mélange, on en récupère 80% ici pour le train, 20%, donc c'est du 80-20 pour le test. Donc là, on le fait par soustraction. Je ne vais pas vous faire un cours de Panda, je vous donne juste en gros ce que ça fait. Ensuite, on va... Ce n'est pas juste. Ce n'est pas pour ce dataset-là. Ça, c'est le... Voilà. C'est un copier-coller malheureux, excusez-moi. Donc là, on va récupérer donc la partie X de la partie Y. La partie Y, c'est la colonne quality, le champ quality. Et puis, donc là, on fait notre découpage en 4 et puis on affiche le résultat ici. Allez, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc on a nos données originales, notre
structure de notre data frame de base au départ qui fait 1600 lignes, 12 colonnes. On a notre dataset X-Train qui fait donc 1279 lignes et la partie test qui fait 320 lignes avec 11 colonnes pour, enfin, pour la partie observation et puis la partie prédiction, hein, ce que l'on veut prédire. Donc côté train, c'est donc 1279 lignes comme le X-Train évidemment, de une valeur, hein, on est sur un scalaire. Alors particularité des formats avec NumPy, c'est que virgule comme ça, c'est quand on a un scalaire, hein, c'est, on pourrait mettre à avoir virgule 1, mais si on avait virgule 1, ce serait un vecteur de une composante. Alors là, c'est des scalaires, petite subtilité de la notation, mais voilà, comprenons bien ça. On a 11, un vecteur de 11 valeurs 3, et on a une structure de données, par exemple pour le X-Test, de 320 lignes de 11 vecteurs, de 11 composantes, 320 vecteurs de 11 composantes, excusez-moi, je vais y arriver, 320 vecteurs de 11 composantes, et puis 320 scalaires pour la partie Y, et puis 1279 vecteurs, toujours de 11 composantes pour la partie X-Train, et pour la partie X-Train, 1279 scalaires, qui sont la qualité du vin que l'on veut prédire pour l'apprentissage. J'ai réussi. Voilà. Une chose très importante, pour les données que l'on va donner à un réseau de neurones, alors ça, c'est valable pour tous les réseaux de neurones, c'est le fait de devoir normaliser les données. Des données ont besoin d'être normalisées, ça, c'est absolument indispensable. Sinon, le réseau explose, hein, des explosions de gradients. Donc, normaliser, ben, c'est très simple, c'est qu'on soustrait la moyenne et on divise par l'écart-type, de manière à avoir une moyenne à 0 et un écart-type de 1. Donc là, c'est ce que l'on fait très simplement ici. Voilà, donc là, on a nos données, l'implémentation, je passe très, très vite dessus, on calcule la moyenne et l'écart-type. Alors, on calcule la moyenne et l'écart-type à partir des données d'apprentissage. Les données de test ne doivent servir en aucun cas à l'apprentissage. Donc, quand on va calculer cette moyenne et cet écart-type, on le fait sur les choses que l'on connaît, donc les données d'apprentissage. Les données de test ne doivent servir en aucun cas à l'apprentissage, sinon on a un biais. Voilà, donc, c'est pourquoi on calcule la moyenne et l'écart-type à partir uniquement du X-Train et à partir du X-Train uniquement. Voilà, donc, vous voyez, c'est très simple. Avec NumPy, vous soustrayez la moyenne, on fait la soustraction de la moyenne et on divise par l'écart-type. Voilà. Et cette moyenne et cet écart-type déterminés à partir des données d'apprentissage, on l'applique évidemment aux données de test. Voilà. Mais les données de test n'ont pas d'influence ici sur le calcul de cette moyenne. Voilà, donc, quand on fait on a nos données avant ici, hein, où on voit qu'on a une moyenne si je remonte ici, sur, je ne sais pas, si on prend le pH par exemple, on avait un pH avec une moyenne de 3,31, oui, pas mal. Ah oui, c'est quand même. Donc, pH moyen de 3,31 sur nos vins. Une fois qu'on a normalisé, on a une moyenne qui est tombée à 0. Il y a un écart-type à 1. C'est le but de la normalisation. Voilà. Le pH à 3 quand même. OK, maintenant, on va s'intéresser, enfin, on va créer notre premier réseau de neurones et on va fabriquer notre modèle. D'accord. Donc là, notre modèle, on le fait avec la syntaxe Keras, qui est très, très simple, très synthétique. Donc, on est en mode séquentiel. Donc là, c'est une méthode, hein, on a une fonction qui va nous renvoyer le modèle. C'est pour l'écriture. Donc voilà, donc là, je vais agrandir un petit peu. Tac, agrandir un petit peu, voilà, comme ça. Donc là, on a ici la construction de notre modèle. Donc, un modèle séquentiel, c'est qu'on va le fabriquer en couches. On va empiler des couches. Donc, on a une première couche d'entrée ici. Donc, vous voyez, la syntaxe, on prendra la tête reposée, mais la syntaxe est extrêmement synthétique, très claire. Hein, donc, on crée un modèle séquentiel et on met une première couche, une couche d'entrée. Hein, modèle.add, on ajoute une couche. Et la couche que l'on ajoute, c'est ici notre couche d'entrée. Okay. Donc, notre couche d'entrée, on a vu tout à l'heure, elle récupère simplement les valeurs et sa géométrie, c'est la géométrie de nos données d'entrée. Ce n'est pas son paramètre ici. Hein. Bon, ce sera un vecteur de 11 colonnes, hein, tout simplement. Ensuite, on va rajouter deux couches denses. Hein, donc, une couche dense, vous voyez, c'est keras.layer.dense. Et donc, une première couche avec 64 neurones. Une fonction d'activation relu, donc on verra les fonctions d'activation, mais nos fonctions d'activation, hein, on fait notre somme pondérée et on passe ça dans une fonction d'activation. La fonction d'activation, on les verra plus en détail après, mais sans surprise et très classiquement, pour tout ce type de réseau, on prendra systématiquement une fonction d'activation de type relu. On verra qu'elle est très simple. Voilà.
Donc, on précise voilà, notre fonction d'activation, qui doit être celle par défaut d'ailleurs, même si on ne la précisait pas. Et puis, on donne le nombre. Donc, en gros, tout ce qu'on donne, c'est le nombre de neurones. Hein. On fait une couche dense de 64 neurones entièrement connectés. Et puis, on en met une deuxième dessous. Chacune de ces couches denses étant connectée entièrement à la couche d'avant. Et puis, enfin, on rajoute une dernière couche dense de 1 neurone, donc un dernier neurone de sortie, qui n'aura pas de fonction d'activation. Donc, si on ne précise pas, il n'y a pas de fonction d'activation, en fait. Hein. J'ai presque dit une bêtise. Un dernier neurone de sortie, donc qui sera complètement connecté à la couche d'activation, à la couche de dense du dessous, donc 64 neurones qui sont juste de l'autre, enfin juste derrière, juste avant. Et puis on a un neurone de sortie ici. Voilà. Donc ça, c'est la géométrie de notre réseau. On va le compiler en précisant l'optimiseur, donc l'algorithme de descente de gradient. Donc là, on utilise un algorithme RMS propre. Donc là, vous avez des liens ici vers la librairie Keras, où vous avez la liste des fonctions d'optimisation, d'activation, de perte, et puis les métriques que l'on va voir juste après. Donc, alors, vous avez plusieurs algorithmes pour faire cette fameuse descente de gradient. Il y a plusieurs stratégies. On peut prendre de la vitesse ou faire par des petits pas ou des pas variables, etc. Donc, voilà, quand on prend RMS propre, mais vous verrez, il y en a un certain nombre. Pour ce type de problème, ça n'a pas une grande incidence, le choix de l'optimisation. La manière dont on va optimiser notre modèle ne va pas être très importante. La fonction de perte, ben, on va prendre une MSE. On est sur un problème de régression, donc on va prendre une MSE. Et puis les métriques. Alors les métriques, ben, c'est quoi? C'est des indicateurs qui vont nous permettre de voir la progression de notre apprentissage. Donc ben là, les métriques, on va en utiliser deux. On a une métrique et notre MSE. Hein, classique, qui est en fait la même chose que notre fonction de perte. Mais bon, voilà, qui a une métrique, un indicateur comme un autre, qui a du sens. Et puis, on va prendre une autre métrique, alors là, qui va être une MAE. Alors, la MAE, alors on va aller voir la doc ici, tac, pour le principe. Alors, je vais agrandir ça, tac. Voilà, je vais agrandir ça comme ça. Oui, ok, donne-nous les cookies, il n'y a pas de problème. On va retrouver notre MAE qui est. Voilà, qui est ici. Donc, qui est la mean absolute error. Donc, c'est l'erreur absolue moyenne. Donc, c'est en gros l'écart en valeur absolue, la moyenne de l'écart en valeur absolue entre ce que l'on va prédire et ce que l'on souhaite obtenir. Donc, ça, c'est quelque chose qui a quand même du sens, puisque si vous essayez de prédire une valeur, vous avez. Vous attendez donc une valeur et puis vous avez une prédiction. Comment comparer les deux? Donc, on peut comparer en pourcentage, on peut comparer en valeur absolue, on peut comparer de plusieurs manières. En pourcentage, c'est assez intéressant si on est sur des grandes valeurs. Si on est sur des toutes petites valeurs, proches de zéro, le pourcentage ne va pas du tout être adapté. Voilà. Donc, en termes de métriques, vous voyez, un grand nombre de métriques qui sont disponibles. Et il faut ensuite essayer d'utiliser la métrique qui est la plus adaptée au problème qui nous intéresse. Là, on cherche à trouver une note entre 0 et 10. Donc, si on prend la valeur absolue, la moyenne de la valeur absolue de l'écart que l'on a par rapport entre la prédiction et ce que l'on souhaite avoir, on a quelque chose qui a du sens d'un point de vue humain. Voilà, je l'exécute ça. Et puis maintenant, je récupère. Voilà. Donc là, on a initialisé notre fonction qui fabrique notre modèle. Et puis là, maintenant, on va récupérer notre modèle en passant la géométrie des observations, donc un vecteur de 11 valeurs. Voilà. Donc, un petit warning, ça, il ne faut pas s'en inquiéter. Et on a ici, donc on affiche le résumé, pardon, ici, de notre modèle. Et quand on regarde, donc ça, c'est le résumé, c'est ce que l'on a ici. Si je descends comme ça, voilà. Donc, on n'a pas la couche d'entrée n'apparaît pas, mais on a nos deux couches denses qui sont ici, donc chacune de 64 neurones, et puis le nombre de paramètres qui sont associés à ces deux couches. Voilà, et puis notre couche de sortie avec un seul neurone, et puis le nombre de paramètres que l'on a ici. Alors, le nombre de paramètres, c'est quoi? Ben, c'est les poids plus le biais. Hein, si on prend ici le cas simple de notre dernier neurone est interconnecté à tous les neurones de la couche d'avant. Donc, ce neurone-là de notre dernière couche est connecté aux 64 neurones d'avant. Donc, on a 64 poids plus le biais, ce qui fait qu'on a bien nos 65 valeurs. Voilà. Si on prend ici notre première couche, ici, on a 64 neurones qui sont connectés aux 64 neurones de la couche d'entrée, 11 neurones, pardon, de la couche d'entrée.
Donc, on doit avoir 64 fois 11 plus 1, qui font, enfin, avec des parenthèses, qui font donc 768 paramètres. Voilà, donc, on peut retrouver assez facilement ce nombre de paramètres. Et les paramètres de notre réseau de neurones, en fait, ce n'est jamais que les poids plus les biais, hein, tout simplement. Voilà. Et ce qui fait que pour notre petit réseau ici, qui fait 128 neurones, enfin 129 neurones, enfin 130 neurones, si on compte la couche d'entrée, on a quand même 5000 paramètres, ce qui n'est pas beaucoup, hein, 5000 paramètres, ce n'est pas grand-chose, mais si on est sur des réseaux de plusieurs millions de neurones, on a rapidement un nombre de paramètres qui est très, très important. Ce sera l'objet de la séquence de la semaine prochaine. Voilà. OK, ça, c'est la géométrie de notre réseau, on l'a instancié. Donc, vous voyez, en termes de code, hein, le modèle, c'est 5 lignes. Hein, c'est vraiment que 5 lignes. Hein. On a beaucoup plus de code dans la préparation des données que dans la construction du modèle lui-même sur ce type de problème. Voilà. Ensuite, on va rajouter un petit callback qui va nous permettre d'enregistrer nos paramètres. Donc, ça, on reviendra sur cette partie-là. Donc, on fabrique tout simplement un dossier de sortie pour ranger nos modèles. Et puis, on va sauvegarder notre modèle durant notre apprentissage. Voilà. Donc, ça, c'est un peu de la cuisine Keras. Les callbacks, en fait, ce n'est jamais que des fonctionnalités que l'on va exécuter cycliquement durant l'apprentissage. Voilà. Donc là, ce que l'on va faire, ça va être juste de sauvegarder notre modèle régulièrement à chaque époque, de manière à garder le modèle qui sera le plus intéressant. Hein. On lui dit à chaque fois de sauvegarder le modèle que s'il a été meilleur que l'époque d'avant. Voilà. Encore une fois, on peut avoir un phénomène de surapprentissage. Donc, on peut avoir une progression d'apprentissage et puis ensuite, quelque chose qui est moins bon. L'évaluation se faisant avec les données de test. Voilà. Ici, on a l'apprentissage proprement dit. Donc, l'apprentissage proprement dit, ben, c'est un modèle point fit. Hein. Là, c'est la méthode fit de notre modèle. Donc, on donne de manière assez intuitive, on donne les données d'apprentissage, donc le X-train et le Y-train, donc nos observations et les valeurs que l'on souhaite avoir. On définit le nombre d'époques, donc on va faire 100 itérations, 100 époques. La taille des batches, donc on va travailler 10 valeurs par 10 valeurs à chaque fois, à chaque batch. Donc on passe 10 valeurs dans le réseau, on récupère 10 prédictions. À partir de ça, on fait notre descente de gradient et puis on reprend 10 valeurs supplémentaires. Et puis on parcourt comme ça tout notre dataset et on refait 100 fois. Voilà, le verbose, bon, c'est la manière dont il va afficher la progression de l'apprentissage. Validation data, ça, ben, ce sont nos fameuses données de test qui vont permettre d'évaluer la qualité de notre apprentissage. Donc, on va avoir une information sur la qualité de l'apprentissage avec les données de validation. Les données d'apprentissage, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est un indicateur. Et puis, surtout, on donne les valeurs de test, les données de test, de manière à pouvoir faire une évaluation avec des choses qui n'ont jamais été vues pour l'apprentissage. Voilà, puis on passe notre fameux callback qui va nous enregistrer notre modèle. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, on est sur un modèle qui est microscopique, donc ça va assez vite. C'est vite à l'échelle de ma petite machine, ça c'est bien. Je vais rediminuer un petit peu la taille de l'écran comme ça. Donc, si vous avez des Mac M1 et vous avez eu la chance de réussir à installer l'environnement dessus, ça doit aller beaucoup plus vite, j'imagine. Mais voilà, on va faire notre apprentissage comme ça. Bon, ma machine qui sature un petit peu, donc ce n'est pas évident. Voilà, là, ça prend. On peut peut-être prendre quelques questions s'il y a des questions. Peut-être il y avait des questions sur tout ce qui était normalisation, standardisation, bon, la différence entre normalisation et standardisation, ou alors pourquoi est-ce qu'on normalisait ou on standardisait les X et pas les Y, voilà, ce genre de choses. D'accord. En fait, c'est les entrées du réseau hein, qui ont une contrainte de comment dirais-je, d'écart type pour ne pas faire éclater le réseau. Quoi. Bon, j'imagine que vous avez mieux répondu que je ne saurais le faire d'ailleurs. Ben, après, la différence entre standardisation et normalisation, c'est un peu obscur. Sais que sur des tableaux, parfois on dit qu'on standardise une colonne et on va normaliser une ligne, mais effectivement, Nathan répondait que la normalisation, c'était plutôt ramené entre 0, 1 et moins 1 et 1. La normalisation, oui, entre moins 1 et 1, là où la standardisation, c'était plutôt de.
une moyenne centrée divisée par l'écart type, etc. Bon, oui, je suis d'accord. Chercher. Effectivement, après, dans les... oui, effectivement, par exemple, pour un CNN, on le verra plus tard, mais les valeurs, c'est bien de les avoir entre 0 et 1. Et puis après, si on normalise en entrée par rapport au dataset, donc en divisant par l'écart type, ça marche un peu mieux, mais sans le faire, ça marche aussi. Quoi. Bon, ce genre de considération, c'est un peu flou. On amène les gens à chercher. Oui, oui, tout à fait. Il y a une part un petit peu d'empirisme. Oui. Aussi dans tout ça. Effectivement, on parle de normalisation d'une manière classique, mais il faudrait peut-être qu'on affine effectivement le terme qu'on utilise, notamment effectivement dans les images, on ne fait pas pareil. Quoi. Oui. Oui, puis après, il y a les termes de. Les couches de batch, de normalisation de batch. Donc là, il s'agit bien de normalisation et pas de standardisation. Après, sinon, il y avait des questions sur le choix de la taille des couches et du nombre de couches. Ah bah oui, grande question. Alors effectivement, pourquoi 64 neurones et pas 32 ou pas 256? Et puis pourquoi des puissances de 2? Alors déjà des puissances de 2, parce qu'on utilise des puissances de 2 par défaut. Je pense que ça permet comme ça de mieux matcher la géométrie au niveau hard, au niveau des machines. Bon, après, le dimensionnement du nombre de réseaux, du nombre de neurones, du nombre de couches, là, c'est un petit peu, y a une part un petit peu de au doigt mouillé, quand même, il faut être honnête. Ça fait partie de ce qu'on appelle justement, et on le verra, ce sera c'est quelque chose qui reviendra très, très nombreuses fois dans tout le long de cette formation. C'est ce qu'on appelle les hyperparamètres, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de hyperparamètres qui définissent la géométrie des modèles, les paramètres, certains paramètres d'optimisation, d'apprentissage et de choses comme ça. Et la détermination de ces paramètres est un problème très complexe. On sait que sur des problèmes simples, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de neurones. Donc, c'est pour ça qu'on ne prend pas des centaines de neurones sur une problématique comme ça, parce qu'on n'est pas sur une problématique très complexe. On verra sur la partie traitement d'image qu'en fonction du type d'image, on va essayer d'avoir peut-être davantage de profondeur ou des couches qui sont plutôt larges. Ça, c'est pareil aussi. Il y a une part d'empirisme et d'expérience là-dedans. Parce qu'on sait que plus les couches vont être au fond d'un réseau, plus elles vont être capables d'appréhender des grandes tendances, des informations de fond. Voilà. Alors que les couches qui sont davantage proches de la surface vont être davantage capables d'appréhender les détails. Quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui en reviendra, effectivement. Après, je ne sais pas, il y avait des plus vieilles questions. Je ne sais pas si tu veux les prendre maintenant ou enfin. Juste avant, je voudrais compléter sur l'histoire des puissances de 2. Alors effectivement, comme disait Jean-Luc, c'est clairement pour se baser sur le hardware, hein, c'est le binaire utilisé par la mémoire. On verra dans les prochaines séances qu'avec l'utilisation de GPU, on est sur des puissances des multiples de 4 ou de 8, mais là aussi c'est à cause d'une conséquence du hardware qui fait comme ça, voilà, permet d'obtenir des meilleures performances calculatoires en temporel en mettant ces valeurs-là. Voilà, tout à fait. Alors, on a l'impression dans le logiciel qu'on s'affranchit du matériel, mais en fait, non, hein, il est tout le temps là. Hein, voilà. Oui, après, on disait qu'il y avait d'autres questions qui étaient plus anciennes, qui sont intéressantes, mais peut-être on y répondra à la fin de la séquence, je sais pas. Oui, je vous propose d'essayer d'avancer. D'accord, d'accord. Je vais essayer de ne pas traîner, voilà. OK, bah voilà, on a fini notre apprentissage ici. Je vais agrandir un petit peu pour que ça se voit. Donc, quand on voit dans la progression de l'apprentissage ici, quand on regarde les lignes, on a nos indicateurs qui apparaissent. Hein, donc, on a notre fameuse fonction de perte ici, notre MAE ici, notre MSE. Donc, ça, c'est la métrique qu'on a demandé. Ça, c'est la métrique MSE. Et puis, notre fonction de perte, il se trouve que c'est une MSE aussi. Hein, donc, c'est logique qu'on ait la même valeur ici et pour la LOS et pour la MSE. Et puis, on a les mêmes indicateurs pour les données de validation. D'accord. Donc, on peut voir qu'on a une progression, sans doute, si on regarde au début, ici, voilà, si on regarde, par exemple, de ce côté-là, on va avoir une diminution alors, si on prend la fonction de perte ici, on voit qu'on a une diminution de notre fonction de perte, une diminution de notre MAE ici, identiquement pour notre MSE sur les données de validation, de test, et pour notre MAE. Voilà, bon, ce n'est pas très parlant de regarder les chiffres comme ça, mais ça permet comme ça d'avoir un suivi un petit peu de ce qui se passe. OK, on a fait notre apprentissage. Regardons un petit peu maintenant ce qui se passe.
Donc là, je calcule. On a récupéré, hein, quand on fait l'apprentissage comme ça, on récupère une structure de données avec toutes les données, toutes ces données chiffrées sont récupérées pendant l'apprentissage. Donc, on les visualisera après. Hein. Là, on va faire une évaluation. Donc, on prend notre modèle, on lui donne le X-test et le Y-test, et puis on lui demande de passer ça dans le réseau et de nous donner le score de résultat, ce qu'on a ici. Voilà, donc là, je l'affiche ici. Voilà. Donc, le score de résultat, bah, c'est nos métriques. Donc, on a, par rapport à notre set X-test, donc là, des données qui n'ont absolument pas servi à l'apprentissage. Enfin, sinon, ça n'a pas de sens. Donc là, on a notre fonction de loss. Bon, ça ne va pas nous parler beaucoup plus que ça. Par contre, on a notre MAE. Donc là, c'est encore une fois la moyenne de la valeur absolue des écarts entre la prédiction et ce que l'on souhaite obtenir. Donc, en gros, ça veut dire qu'entre des prédictions de notre réseau et les valeurs que l'on attend, on a un écart en moyenne de 0,5 au niveau de la note, comprise entre 0 et 10. Voilà. OK, on va regarder notre courbe d'apprentissage. Donc, ça, c'est à partir des données qui sont, voilà, je l'affiche ici, qui ont été redonnées pendant le processus d'apprentissage. Si je remonte très rapidement, hop, jusque-là, vous voyez, donc on a notre modèle.fit qui renvoie une structure de données iStory ici, et c'est ça qui nous permet comme ça d'afficher nos courbes. Voilà, l'affichage des courbes, c'est du matplotlib, ce n'est pas très intéressant à regarder, donc c'est pour ça que ça fait typiquement partie du module fidèle. Mais c'est jamais qu'une matplotlib qui affiche les valeurs, quoi. Voilà, quand on regarde la courbe d'apprentissage sur la MSE, par exemple, on voit, donc c'est sur l'apprentissage en bleu et sur les données de test en rose, en orange, on voit qu'on a une progression très rapide et que sur les données d'apprentissage en bleu, on voit qu'on a une progression qui se poursuit, hein, c'est-à-dire que entre l'itération 20, enfin l'époque 20 et puis l'époque 100, on voit que ça a diminué. Donc on peut dire, ah, chouette, c'est super, on continue à apprendre. Mais en fait, si on regarde sur les données de test, on s'aperçoit qu'à partir de l'époque 20, en fait, ça n'a pas beaucoup changé. Quoi. C'est-à-dire qu'il continue à apprendre, il bachote, certes, il est de plus en plus fort pendant les cours, hein, mais par contre, sur les exercices qu'il n'a jamais vus, il ne progresse pas, il ne progresse plus. À partir de l'époque 20, on aurait pu s'arrêter. Voilà. Sur la MAE, on voit la même chose. Hein, il y a des petites anicroches comme ça. Et puis, on voit vraiment l'écart entre l'apprentissage réel et puis l'apprentissage supposé. Voilà. Juste pour voir, il est très simple de récupérer un modèle. Donc là, on va recharger le meilleur modèle que l'on ait, et pas forcément celui qu'on a eu à la fin. On a justement les phénomènes de surapprentissage. Donc, on a une méthode load model qui permet de récupérer le modèle, qui est sauvegardé en fichier H5, hein, tout simplement. Voilà. Et puis, on peut le réévaluer ici. Alors, je passe très rapidement parce que ça n'a pas changé grand-chose. Donc, on voit que notre meilleur modèle, hein, à la fin, on était à 0,5. Là, on est à 0,47. Donc, notre meilleur modèle n'était manifestement pas le modèle complètement à la fin. Voilà. Si on fait une prédiction ici, on affiche les résultats. Voilà. Donc là, je prends des données hein, du set de test, voilà, des bouteilles de vin de la cave de test. Et on regarde la prédiction, on regarde les valeurs réelles et on regarde l'écart. Et on voit voilà, que des fois, on a des gros écarts et puis des fois, on a des tout petits écarts. Voilà. Donc après, voilà, après, il y a toute la problématique de l'évaluation du résultat et de la pertinence du résultat sur laquelle on pourrait discuter pendant très, très, très longtemps. Et ça fera l'objet de discussions qu'on aura tout au long de ce cycle, de voir un petit peu comment interpréter un résultat. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Et il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Et en premier lieu desquelles, on a une classification ici, mais cette classification, elle est faite par des humains. Donc, on n'est pas sur une classification totalement objective non plus. En gros, ce que notre modèle y fait, c'est qu'il reproduit le comportement, il reproduit, on va dire, il essaye de reproduire l'expertise de nos œnologues. Quoi, voilà. On n'essaie pas de reproduire le comportement d'un modèle physique, hein, puisqu'encore une fois, chaque œnologue est souverain dans son évaluation. Là, il ne le fait pas à partir de critères objectifs. Voilà, donc, on est sur une prédiction de comportement humain, d'une expertise humaine, voilà. Donc on n'arrivera probablement jamais à avoir quelque chose qui soit totalement parfait. Voilà. Après, globalement, on est à un écart de 0,5, donc on peut imaginer
Donc ça, ce serait pareil, ce serait des tests complémentaires à faire, qu'il est capable quand même d'identifier des vins qui sont très bons ou très mauvais, et que, voilà, qu'après, que, quand les, bons, les vins sont à peu près bons, on est dans une marge de, où chaque expert, de toute façon, plus style humain, aura une certaine tolérance dans un sens ou dans l'autre qui lui est propre. Voilà. Sur l'exemple de notre... je suis juste affiché le mot de la fin, ici, tac, un autre exemple, on s'en fiche. Voilà. Voilà un premier exemple. Je vais l'enlever comme ça. On reviendra peut-être dessus s'il y a des questions tout à l'heure. Et on va revenir ici. Ça, c'est l'exemple d'une régression. Alors, des régressions avec quelques dizaines ou quelques centaines de neurones permettent de résoudre des tas de problèmes qui sont déjà très, très complexes, très efficacement, puisqu'encore une fois, on est capable, avec quelques couches de neurones comme ça, d'appréhender des problèmes absolument pas linéaires du tout, avec des très, très grandes complexités et de manière très, très efficace. Hein. Voilà. L'autre exemple et avec lequel on va terminer, c'est celui de la classification. Même bataille, même topo, même histoire, même workflow. Simplement, il y a une différence. C'est là, on essayait de prédire un scalaire. Hein. Alors, un scalaire, ça peut être un vecteur. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul neurone de sortie, on avait, je sais pas, 5 neurones de sortie. Et en sortie de notre réseau de neurones, on avait un vecteur. Hein, c'est-à-dire qu'on faisait une régression qui était capable de prédire un vecteur. Voilà. Là, la classification, on a un réseau qui est complètement connecté, absolument identique, hein, avec une couche d'entrée, des couches cachées, une couche de sortie, et on va essayer de prédire une classe d'appartenance. On va faire une classification. Alors, l'exemple que l'on va avoir après, qu'on va voir tout de suite, ce sera la prédiction de chiffres manuscrits, de petits chiffres manuscrits. Alors, ce sont des images, donc normalement, on devrait utiliser un réseau dit convolutif, etc. On va faire simple, on ne va pas se poser de questions, on va essayer vraiment de rester dans cette philosophie connexionniste. On a un signal d'entrée. Le signal d'entrée, c'est une image, ok. Une image, ce n'est jamais qu'une matrice avec des valeurs. Donc, on va prendre ces valeurs sans se poser de questions, on va passer ça dans notre classifieur complètement connecté, et on va essayer de voir si on est capable, sans se poser de questions, avec un réseau complètement connecté comme ça, de voir si on est capable de classifier nos images. Alors, pour faire une classification, on va avoir une architecture qui va être très légèrement différente sur la fin, et ça va se passer de la manière suivante. Je reprends mon feutre, parce qu'il va bien vouloir marcher cette fois-là. Non, il ne veut pas marcher. Bon, je vais faire autrement, pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi il m'embête. Je ne veux plus... Ah, attendez. Alors là, décidément, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il ne veut pas me le sortir. Alors, attendez, je vais chercher mon feutre, décidément. Bon, il ne marche plus, mais ce n'est pas grave, on va le faire comme ça à la main. Donc, désolé. Pourtant, j'ai répété, testé 50 fois, mais je ne sais pas pourquoi le truc il s'est coincé. Donc, on a notre réseau qui est exactement du même type que celui qu'on avait avant. Donc là, on va faire une classification de chiffres manuscrits. Donc, on a des données en entrée qui vont correspondre à chacun de nos pixels. Donc, on va avoir des images qui font 28 pixels par 28 pixels. Donc, on va avoir en entrée 784, enfin 28 fois 28, hein, ça fait 784 valeurs, un vecteur de 784 valeurs. Voilà. Donc, on va mettre chacune de nos images, on va les décomposer par ligne ou par colonne, on s'en fiche en fait. On va les empiler et on va avoir comme ça un vecteur en entrée de 784 valeurs. Donc, notre couche d'entrée, 784 niveaux de gris, hein, donc un vecteur de 784 composants. Voilà. Donc, en entrée, on aura 784 neurones dans notre couche d'entrée, tout simplement. C'est bestial, et là, il n'y a vraiment pas d'intelligence. Enfin, c'est du traitement du signal brut, hein, donc on fait par ligne ou par colonne. On empile notre image et on a comme ça un vecteur en entrée de 784 valeurs. Ensuite, on va avoir un certain nombre de couches complètement connectées derrière et une couche de sortie. Notre couche de sortie, on va avoir 10 classes d'appartenance, du chiffre de 0 à 9, 10 classes d'appartenance possibles. On va mettre 10 neurones en sortie. Voilà. Donc, comme ça, notre couche de sortie, c'est 10 neurones qui nous sortent un vecteur de 10 composantes. Okay. Ces 10 composantes vont avoir des valeurs qui vont être comprises entre 0 et entre moins l'infini et plus l'infini. Hein, voilà. Donc, on a un vecteur de sortie comme ça, brut, et on va considérer que chacune de ces composantes correspond à une classe d'appartenance. Mais pour que ce soit humainement à peu près compréhensible, on va transformer ce vecteur de sortie en probabilité. Alors, transformer ça en probabilité, c'est un jeu d'écriture. La simple
caractéristique d'une probabilité, c'est que c'est des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1, et puis que la somme des probabilités fait 1. Et, on a dit classe, la somme de nos 10 appartements fait une probabilité de 1. Et pour faire transformer comme ça notre vecteur brut de sortie en vecteur de probabilité, on utilise une fonction qui s'appelle softmax. Alors, c'est notre fonction logistique améliorée, quoi. C'est une version, on va dire, étendue de notre fonction logistique. Vous l'avez ici. On ne va pas rentrer dans le détail mathématique de ça, mais ça se comprend assez bien, hein, par rapport à la fonction logistique. C'est assez astucieux. Et en fait, notre vecteur qui est ici, il est transformé en un vecteur dont la caractéristique est d'avoir des composantes comprises entre 0 et 1 et dont la somme fait 1. Voilà, c'est génial parce que c'est exactement une probabilité. Et on va considérer ça comme une probabilité. Donc, bah, si on prend la composante ici, qui valait une valeur lambda ici, et ici, on a une valeur qui est de 0,748, on va dire bah, ça correspond à une probabilité de 74,8%. Voilà. Et donc, la classe d'appartenance, ce sera le numéro de la composante qui a la plus forte valeur. Voilà. Donc, par exemple, ici, hein, on a cette composante qui a une valeur de 0,748, celle-là qui a une valeur de 0,201, etc. Et on considère, ben, donc, puisque c'est cette probabilité, enfin, cette composante-là qui a la plus forte valeur, on va considérer que la classe d'appartenance correspond à cette composante. Donc, c'est la 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, ça appartiendra à la classe 4. Voilà, donc on a cette super fonction softmax qui permet comme ça de transformer notre vecteur lambda en vecteur de probabilité, somme égale à 1 avec des valeurs comprises entre 0 et 1, entre 0 et 1. Et puis on a une deuxième fonction qu'on va utiliser qui s'appelle la fonction argmax, alors que là qui est assez simple, hein, c'est qu'elle renvoie le numéro de la composante qui a la plus forte valeur. Voilà, donc là, la plus forte composante, c'était celle-ci, donc c'est la 0, 1, 2, 3, 4, et donc bah, argmax de ce vecteur-là nous renvoie la valeur 4. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est exactement un réseau exactement identique, absolument pareil, sauf qu'on a une fonction d'activation à la sortie ici. On rajoute une fonction softmax, et pour récupérer un résultat définitif, numéro de classe, on utilisera cette fameuse fonction argmax du résultat. Voilà. On va voir ça à travers donc, cet exemple de classification de petits chiffres manuscrits. Donc, c'est un dataset qui s'appelle NIST, qui est le dataset de Yann Lequin. C'est un vieux dataset hein, qui est absolument emblématique parce qu'on retrouve dans tout un tas d'exemples et qui est vraiment parfaitement adapté à ce genre d'exercice. Le workflow va être exactement le même, une phase d'initialisation, d'importation des librairies et modules Python. On charge le dataset, on prépare les données, donc une partie test, une partie train. Le Y-test est la classe d'appartenance à l'image. Voilà, on va créer notre modèle, faire l'apprentissage et puis évaluer le résultat. Voilà, là je reviens ici. J'ai un gros message d'erreur de le petit dessin. Bon, il a explosé, ce n'est pas grave. Voilà. Heureusement que j'ai un deuxième écran. celui-là, donc, je vais le garder ici parce qu'il peut servir. On va aller récupérer le notebook NIST 1 ici. Voilà. Puis je vais afficher ça en plein écran. Je ne sais pas pourquoi le F11 ne veut pas marcher. Voilà, donc je passais assez rapidement sur la partie initialisation. C'est exactement la même tambouille que tout à l'heure. Voilà, tant que tout s'initialise. Voilà. Il y a un seul paramètre hein, qui est l'histoire de la verbosity ici, donc avec son override, je le passe aussi. Et là, on va aller récupérer les données. Alors là, on va faire très simple sur cet exemple-là, c'est que le NIST, c'est un dataset, c'est un peu une des pierres de Rosette du monde de l'apprentissage machine et du deep learning en particulier. On va le retrouver partout. Il est disponible dans PyTorch directement, dans la distribution Keras. Donc là, on va aller le récupérer directement dans la distribution Keras sans se poser de questions. Et là, vous voyez donc une seule ligne ici, on va récupérer le X-train, Y-train, X-test et Y-test directement. Voilà. Donc là, ça, c'est super pratique pour des exemples comme ça. Voilà. Donc là, on a la géométrie. Donc on voit que le X-train il est composé de 60 000 images, hein, un dataset considérable, 60 000 images de 28 pixels par 28 pixels, chaque pixel étant un niveau de gris. Donc, on est en monochrome. Donc, on est, voilà, c'est un tenseur. En fait, notre X-train, c'est un tenseur de 60 000 par 28 par 28 par 1, puisque là, on est sur en niveau de gris, on n'a pas des vecteurs couleurs.
Voilà, le Y-Train, bah, c'est 60 000 classes d'appartenance. Et puis, de la partie test, là, on est sur 10 000 images et 10 000 classes d'appartenance correspondantes. Voilà. Là aussi, on va alors normaliser, standardiser nos données. Là, effectivement, excellente remarque tout à l'heure. Il faudra qu'on creuse ça pour être bien rigoureux dans nos propos. Là, la normalisation ou standardisation des données se fait très simplement. C'est qu'on va diviser par 256, enfin, par la valeur maximale de nos images, par 256. Voilà. Là, on va regarder ça comme ça. Voilà, donc la valeur maximum, c'est 255. On divise par 255, par contre, oui, pas 256, c'est par 255. Et on a ensuite des images qui ont une valeur dont les pixels sont compris entre 0 et 1. Voilà, on va regarder à quoi ça ressemble, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est des petits chiffres manuscrits en basse résolution. Donc là, ça prend un petit peu de temps pour dessiner. Donc voilà, c'est pareil. Hein. Ça, c'est une fonction d'affichage qui est dans le module FIDEL. Module, vous pouvez le récupérer et puis regarder à quoi ressemble l'implémentation, mais il y a, je sais pas, 30 lignes de matplotlib, c'est pas ce qui est le plus passionnant à regarder. Voilà à quoi ressemblent les images, hein, d'accord, donc c'est des petits chiffres écrits à la main, donc des fois c'est assez intuitif, et puis des fois ça ressemble un peu à des gribouillis quand même, enfin voilà, c'est pas toujours intuitif à regarder. On va créer notre modèle. Alors notre modèle, voilà, donc je le crée ici, donc un petit warning, mais ça c'est pas grave. Je le réécris, parce qu'il n'y aura pas le warning une deuxième fois. Je l'agrandis comme ça. Voilà, notre modèle, vous voyez, donc, on a deux couches cachées. On a des hyperparamètres ici qui vont donner le nombre de neurones des couches cachées. Donc, deux couches cachées avec 100 neurones chacun. On n'est pas très loin du modèle de tout à l'heure. Donc, on a notre couche d'entrée avec 28 fois 28 neurones. Bon, on aurait pu mettre 784 et tout mettre à plat. D'ailleurs on met tout à plat ici, donc là on récupère la matrice directement sur la couche d'entrée, on met tout à plat, donc ici on va passer à quelque chose, un vecteur de 784 valeurs, composantes. On a nos deux couches cachées avec une fonction d'activation en relu, et puis à la sortie on a nos 10 neurones de notre couche de sortie avec notre activation softmax, d'accord. Voilà, l'optimiseur, ben là, on prend un ADAM, mais l'un ou l'autre ne serait pas changé grand-chose. La fonction de perte, ben là, on n'est pas sur une RSE, parce qu'on calcule la différence, la distance entre notre prédiction et notre valeur attendue, non pas sur un scalaire ou sur un vecteur, mais sur des probabilités. Hein. D'accord. Donc, on va utiliser une sparse catégorical post-entropy. Donc, là, c'est pareil, on reviendra voir un petit peu plus mathématiquement à quoi ressemble cette bestiole-là. Enfin, bon, voilà, c'est une fonction perte qui permet de mesurer une erreur au niveau d'une prédiction de classification. Et la métrique qu'on va utiliser, la métrique, on va utiliser la précision, tout simplement, hein, qui est l'exactitude, si on veut traduire en français correctement accuracy, l'exactitude du résultat. Voilà, donc j'ai instancié notre modèle, et puis on va lancer l'apprentissage ici. Voilà, donc le temps que c'est parti. Donc là, on prend un batch size de 512, on a un dataset qui est assez grand, à 60 000 valeurs. Donc on prend un batch size de taille assez importante, et puis on va prendre 16 époques. On a quelque chose qui converge assez vite. Voilà, et donc je diminue un petit peu la taille ici, si je vais dans le bon sens. Voilà, tac, tac, tac. Bah, que ça tienne sur une ligne. Voilà, comme tout à l'heure, hein, on a notre fonction de perte et notre métrique qui apparaissent sur les données d'apprentissage et sur les données de validation. Ouais, donc, on voit ici qu'on a notre accuracy ici qui augmente progressivement sur les données de validation, les données de test. Donc, ça, c'est important. Et puis, bon, si on regarde notre métrique ici, alors là, la métrique d'une sparse categorical cross-entropy, humainement, ça ne nous parle pas beaucoup, quoi, hein, soyons clairs. Par contre, l'exactitude, là, on est à 96% de prédictions valables, correctes, et là, on est à 97,6. Voilà, on va évaluer notre résultat, donc exactement comme tout à l'heure, c'est la même cuisine, en fait, la même architecture. Donc, sur nos données de test, alors, encore une fois, la fonction de perte, moi, elle ne me cause pas, hein, mais par contre, l'accuracy, l'exactitude sur nos données de test, on voit qu'on est à 97,6% de prédictions correctes. Voilà, on va regarder notre courbe d'apprentissage ici. Voilà, donc là, la précision qui augmente. Donc là, on voit en l'occurrence qu'elle augmente plus vite au niveau des données d'apprentissage, c'est classique. On voit qu'on avait quand même une petite courbe d'amélioration sur les données de test ici.
Voilà. Donc, pareil, sur l'inversion, enfin, en forme inversée sur les données de la fonction de perte, hein, on voit qu'on continue à descendre un petit peu. On aurait peut-être pu continuer un petit peu. On aurait peut-être gagné quelque chose un peu plus loin. Voilà. Si on regarde, on fait une prédiction ici. Donc là, on va relancer ça. Donc là, on calcule, on refait une prédiction. D'ailleurs, on fait une prédiction, hein, ça se fait en deux étapes. Hein, dans Keras, c'est une mise à jour, enfin une évolution des dernières versions. On voit qu'ici, on a la prédiction, donc on récupère la table de probabilité et on passe ensuite par notre fonction argmax pour récupérer nos classes d'appartenance ici. Voilà. Donc là, ce qui prend du temps, c'est, vous voyez qu'il y a la petite étoile qui continue à tricoter, c'est le dessin des images. Ce n'est pas le calcul, mais c'est le modèle est l'apprentissage est long, mais l'utilisation d'un modèle est extrêmement performant. Par contre, ce qui est très long ici, c'est le dessin des icônes. Voilà. C'est anormalement long. Je pense que ma machine est en train de ramer quelque chose d'assez terrible, mais ça va finir par arriver. Voilà. Voilà. Donc là, ben, voilà, c'est les chiffres avec les classes prédites dessous. Et puis en rouge, on va bien en avoir une quelque part. Voilà, ici par exemple, pour lui, ce gribouillis-là, c'était un 9. Ben, en fait, non, c'était un 2. Alors évidemment, la question, c'est pourquoi il a pris ça pour un 2 pourquoi il a pris ça pour un 9, pardon, plutôt qu'un 2 quoi. Parce que là, il n'y avait pas une différence fondamentale par rapport à cette image-là. Et là, il a bien dit que c'était un 2, et puis là, il a cru que c'était un 9. Alors là, l'explicabilité du modèle, ce sera une séquence à part entière aussi, on est sur quelque chose de très complexe, et en fait, l'explication ne peut se faire que par les données, ce n'est pas en regardant le modèle. Le modèle, c'est une boîte noire, et c'est en regardant les données. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on creusera et qu'on appréhendra un petit peu tout le temps. Voilà, donc là, bon, on a une erreur là-dessus. Ensuite, comment essayer de comprendre un petit peu les erreurs et les problèmes qui se sont posés? Ben, on peut essayer d'afficher toutes les erreurs rencontrées. Puis je vais afficher ça, voilà. Donc là, ben, on a un peu plus d'erreurs. Voilà. Donc ça, honnêtement, prendre ça pour un 5, c'était pas. Voilà. Et puis ça, prendre ça pour un 2 aussi. Enfin, voilà. Là, on peut encore discuter hein, sur ce chiffre-là. On peut encore discuter. Voilà. Il y a quand même des fois où il s'est trompé de manière un petit peu surprenante. Quoi. Voilà. Là, ce n'était pas évident parce qu'il manquait plein de morceaux. Mais voilà, donc là, on a tout un problème qui va se dessiner, qui est de comprendre un petit peu les limites de notre modèle ici. Alors, les outils dont on dispose pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, ben, l'outil de référence, c'est vraiment la matrice de confusion. Alors, la matrice de confusion, c'est quoi? Alors là, je vais rediminuer, hop, pardon, dans l'autre sens, ce sera mieux comme ça. Une matrice de confusion, c'est un tableau, hein, une matrice, avec d'un côté en abscisse les prédictions, en ordonnée ici les valeurs réelles, et dans un monde idéal où tout se passe bien, on devrait avoir 1 dans la diagonale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur entre les prédictions et la réalité. En l'occurrence, on a des erreurs, donc si on regarde dans notre diagonale ici, on voit par exemple ici on a 99, donc entre les 1, pour les 1, il n'y a pas vraiment de problème, il ne se trompe pas beaucoup sur les 1. Par contre, sur les, alors je ne sais pas, si on prend 0,96, si on regarde entre pour les 5, par exemple, les 5, il y a beaucoup plus d'erreurs, il y a des erreurs plus importantes au niveau des 5. Et après, en analysant comme ça notre matrice de confusion, on peut voir où se situent les confusions, c'est-à-dire quels sont les problèmes, voilà, quel chiffre il a du mal à trouver ou quel chiffre il a tendance à confondre avec quel chiffre. Et alors après, comment améliorer les choses? Alors, on peut jouer sur plein de paramètres. On peut essayer de jouer sur l'architecture de notre réseau. On peut rajouter des neurones par-ci, rajouter des couches de neurones, travailler sur tous les hyperparamètres, hein, la taille des batches, etc. Mais, encore une fois, là où l'explicabilité d'un modèle se fait par les données. On est dans une approche inductive, c'est par les données, par l'observation. Donc, si on a une confusion forte, par exemple, entre les 5 et les 7, je dis ça au hasard, peut-être qu'il faudrait rajouter des 5 et des 7. Enfin, ce n'est pas peut-être, c'est que la meilleure manière de faire, ce serait de rajouter des données dans l'espace dans lequel il y a des confusions. D'où l'importance de cette matrice de confusion qui permet comme ça d'identifier. Alors là, avec deux chiffres après la virgule, ce n'est pas terrible parce qu'on est quand même un résultat, on est à 97,6 sur du traitement du signal. Alors une fois, nos images, on les a traitées vraiment comme une succession de pixels sans se poser de questions. Et on est quand même à 97,6 avec une poignée de neurones. Donc, on a un résultat qui n'est quand même pas mauvais du tout.
Voilà. Mais si on voulait améliorer ce résultat, ben, il faut regarder la matrice de confusion pour essayer de voir là où il y a des erreurs et puis de rajouter des données et pour essayer de diminuer les espaces de confusion. Voilà. Voilà ce qui est très important là-dessus. Voilà. Alors après, ben, la balle est à vous. Vous pouvez reprendre ces deux exemples et puis essayer d'améliorer le résultat, d'essayer de jouer avec pour essayer de voir comment améliorer les choses, de jouer sur tous les hyperparamètres, les tailles de batch, l'architecture du réseau, rajouter des couches, rajouter des neurones, avoir des formes de réseau qui soient différentes. On peut, en jouant un peu avec le dataset, on pourrait très bien prendre une partie apprentissage, une partie test, et puis des données sous le coude, et puis rajouter les données manquantes, rajouter des 5 ou des 7, par exemple, par rapport aux données en stock derrière, pour essayer d'améliorer le résultat. Voilà. Il y a plein de choses que l'on peut faire à partir de ces deux exemples. Et ces deux exemples sont fondamentaux parce qu'ils couvrent vraiment des briques élémentaires. Et ce n'est pas les seules briques élémentaires, mais c'est vraiment deux briques élémentaires des réseaux de neurones, la classification, la régression, et avec une architecture qui est une brique fondamentale, hein, qui est ces réseaux complètement connectés. Voilà. Voilà. On va arrêter là, on va passer à quelques questions. Très bonne idée. Il y a deux questions intéressantes, très récentes, qui remontent. La première concerne le fait que nos étudiants ont des résultats différents à ceux que tu nous montres. Oui. Notamment à cause de l'aléatoire. Est-ce que tu veux plus détailler ? Ah, bah, tout à fait. Alors ça, bah, je vais détailler, puis tu compléteras, parce que c'est un sujet très, très vaste. Oui, c'est la magie de nos réseaux de neurones. Quand on parle de reproductibilité, etc., etc., on est dans un monde complexe, là, parce que notre réseau, quand on l'a initialisé, il y a des poids au départ, et tous ces poids sont positionnés avec des valeurs aléatoires. Voilà. Et en fait, de l'aléatoire, on en a partout. On en a dans l'initialisation des modèles, on en a dans la préparation des datasets, parce qu'à chaque fois qu'on a préparé nos datasets, on a mélangé les valeurs entre les données d'apprentissage et données de test, à l'intérieur de chacun de ces sets-là aussi. Donc, on a des aléatoires partout, partout, partout. Et évidemment, quand on va lancer deux fois notre résultat, bah là, par exemple, on avait un résultat, on était à 97,63, à 97,63, voilà. Et si on le relance, bah, on aura peut-être 98,22, et puis si on relance encore une fois, on aura peut-être 96,85, etc., etc. Et donc, la vraie question, OK, c'est bien, on est content avec ça, mais déjà, est-ce qu'on est capable de reproduire le résultat et quel est le résultat, finalement? Et donc, ben, ça fera partie d'une séance, hein, d'une séquence, une partie importante de séquence, et puis on reviendra plein de fois dessus. C'est-à-dire qu'on a plein d'aléatoires dans la construction de notre modèle et dans notre apprentissage. Et pour avoir un résultat statistiquement significatif, ben, il faut le relancer plusieurs fois. Alors, on pourrait retrouver exactement ce 0,9763. Il suffit d'initialiser les générateurs de nombres aléatoires, les graines correctement, celles de NumPy et puis celles de Python, etc. Et on obtiendrait exactement le même résultat. Mais il ne veut rien dire, finalement, parce que si on relance avec des valeurs, une instanciation différente des générateurs de nombres aléatoires, on aura un résultat différent. Donc, il faut relancer plusieurs fois pour avoir un résultat statistiquement significatif. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et la reproductibilité dans ce domaine-là, c'est quoi ? Ben, c'est reproduire une expérience pour arriver à la même conclusion. Voilà, donc, en gros, vous lancez 50 fois ce modèle-là, cet apprentissage, on a un résultat en forme de courbe de Gauss, et en analysant la courbe de Gauss de ce résultat, on pourra déterminer la valeur moyenne, entre guillemets, de notre modèle. Mais il y a un travail statistique à faire derrière. Voilà, je te laisse compléter, si j'ai, il y a sûrement des choses à compléter. Non, ça me paraissait clair pour moi. autre question que tu as posée à plusieurs endroits, quel est l'intérêt des batchs, leur taille, et est-ce qu'il faut choisir un petit batch, un grand batch ? Ah, alors ça, c'est une excellente question. Et si tu as la réponse, ça m'intéresse, parce que c'est un problème pareil. On est dans quelque chose de mi-empirique. Si on a des batchs qui sont... Alors, il y a des choses factuelles. Si on a des batchs qui sont tout petits, on a deux inconvénients. C'est-à-dire que le premier, c'est que c'est très long, parce qu'on travaille sur... On vectorise avec des tout petits vecteurs. Donc, évidemment, on va faire plein d'itérations. Ça ne va pas avancer très vite. Et puis, le deuxième problème, c'est que chaque valeur à l'intérieur de ce batch va avoir une influence très importante. Donc, si on a des valeurs un petit peu aberrantes, par exemple dans le dataset qu'on a vu tout à l'heure, donc on a des mesures avec des grosses erreurs ou des choses comme ça, ces observations, je cherche le mot que je ne retrouve plus, aberrantes, le mot en anglais aberrantes, vont avoir une incidence très importante sur l'apprentissage, et on va avoir un apprentissage qui peut yoyoter.
Si à l'inverse, on prend des batchs qui sont très importants, de très grande taille, donc ça va très vite, puisque là, on met un grand truc, là, ça passe tout seul parce que c'est vectorisé à fond dans un GPU ou sur un CPU. Par contre, on va lisser énormément l'influence de chacune des valeurs et on va avoir d'autres effets de bord. Donc, il faut réussir à trouver une taille de batch qui sont un compromis entre la vitesse d'apprentissage, la granularité de cet apprentissage et dans les deux sens. Voilà, je ne sais pas si tu peux apporter davantage de précision là-dessus. Bah, peut-être, c'est quelque chose qu'on va voir assez régulièrement, mais c'est vraiment donc, la nécessité d'un batch. Bon, il y a des aspects effectivement computationnels. Effectivement, un petit batch va être plus rapide à calculer qu'un gros batch, etc. Mais un petit batch, on va explorer le dataset plus lentement. Donc, oui, un petit batch, l'extrême petit batch, ça sera un batch de 1. Donc là, comme tu l'as dit, les valeurs aberrantes, les outliers sont problématiques. Et un gros batch, alors on pourrait imaginer pourquoi pas un batch égale tout le dataset. Là, après, on le verra plus tard, justement pour la séquence sur tout ce qui est parallélisation, etc., qui nous pousse à aller vers des gros batchs. On voit qu'avec les gros batchs, effectivement, on atteint des minimums locaux. La différence entre minimums globaux et locaux, donc on atteint des minimums locaux moins bien que le minimum global avec des grands batchs, on atteint des minimums qui sont moins bien que moins minimums du coup que des minimums avec des petits batchs. Voilà. Donc la descente de gradient effectivement est moins efficace avec des gros batchs. Si je peux compléter deux, trois choses. Toute cette question du choix de la valeur de batch, elle est très liée à un problème qu'on a qui est celui du compromis biais-variance. En sélectionnant, en entraînant le modèle à chaque époque, en sélectionnant un très grand batch, ce qu'on risque d'avoir, c'est d'avoir un biais qui va être une variance qui est faible, mais un biais qui va être très élevé par rapport aux données. Et à l'inverse, avec un petit batch, on va avoir une variance élevée, mais un biais. Une variance faible, mais un biais faible, mais une variance élevée. Et dans les deux cas, en fait, dans les deux extrêmes, ça impacte la qualité de nos performances. Et la réalité, c'est que la bonne taille de batch, elle se trouve souvent, elle n'est pas dans ces extrêmes-là. Et pour répondre à deux, trois questions qu'il y a eu, du type qu'est-ce que c'est une grande valeur ou une petite valeur? Ben, tout ça dépend aussi du dataset, du jeu de données et de la complexité de ces données. C'est sûr que sur un jeu de données avec beaucoup d'images, et avec, on essaie de faire de la génération d'images par exemple, je sais pas quoi, c'est une tâche beaucoup plus complexe. Et en fait, augmenter la taille de batch, c'est pas si dramatique que ça. On a beaucoup plus de marge que sur un jeu de données comme tabulaire, comme celui qu'on a utilisé pour l'exemple du jour avec les 20. Les deux petits points qu'il faut garder en tête. Cette taille de batch, il faut l'adapter aussi par rapport au jeu de données qu'on a. En fait. Complètement. La problématique du découpage des données, c'est quelque chose qu'on verra, alors qu'on reverra plein de fois. Hein. Encore une fois, on le verra de manière simple, je dirais, et rapide, la problématique du découpage des tickets de données. Et puis, on le reverra sur les problématiques de data parallélisation. Alors là, de manière un petit peu plus, comment dirais-je, plus complexe. Quoi, voilà. C'est, la gestion des données pour l'apprentissage est quelque chose qui vraiment est central, forcément, et qu'on verra de différentes manières. Ouais. Tout à fait. Mais peut-être c'est le moment là, de poser la question qui me semble être la plus intéressante qui a été posée il y a une bonne heure sur le surapprentissage, effectivement. Qui dit, voilà, la question est écrite comme ceci, c'est dans le vrai monde, il n'y a pas de souci de surapprentissage. Pourquoi ce problème avec les générations des réseaux de neurones? Alors, j'ajouterais que c'est une problématique liée au machine learning, ce n'est pas une problématique spécifique aux réseaux de neurones. Mais peut-être, si je comprends bien la question, c'est avec nos réseaux de neurones à nous, notre cerveau, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de problème de surapprentissage? Alors, le croyez-vous? Bien sûr, je pense des problèmes de surapprentissage sans aucun problème. Ça nous est tous arrivé de bachoter comme des malades et puis au bout d'un moment de s'inventer des faux problèmes, comme on dit. Hein. S'inventer des faux problèmes, c'est typiquement une expression propre au surapprentissage. Voilà. Je pense que le surapprentissage, alors je ne sais pas, on peut témoigner à plusieurs, mais je pense qu'on est tous confrontés, toute mécanique apprenante est confrontée au risque du surapprentissage, je pense.
Moi, j'avais envie de dire, il y a les deux aspects. Effectivement, il y a l'aspect taille des données, représentativité des données. Là, effectivement, si on avait un dataset qui avec tous les exemples du monde, toutes les possibilités du monde, peut-être qu'on n'aurait pas de problématique de surapprentissage, puisqu'on aura, on aurait tous les exemples du monde et donc on ne serait pas focalisé sur des... le phénomène de surapprentissage, c'est effectivement trop se focaliser sur apprendre le dataset d'entrée qui n'est forcément pas représentatif de l'universalité. Mais si on avait des datasets universels, mais ça n'existe pas encore. Mais après, pour revenir dans ton... Oui, pour aller dans ton sens, effectivement, nous-mêmes, effectivement, on n'a pas toutes les données du monde, donc ce qui crée des biais, donc c'est nos biais de surapprentissage. C'est effectivement parce que oui, on est concentré, on bachote trop un problème qui n'est pas universellement posé, qu'on n'a pas toutes les données du monde. Donc après, on peut réfléchir, ça nous amène à la réflexion sur ce qu'est un esprit fermé, obtus, je ne sais pas, le racisme, etc. C'est peut-être une problématique de surapprentissage et pour des gens qui n'ont pas... Une vision universelle du problème. Voilà. Oui, quelqu'un l'évoquait dans le chat, c'est l'histoire des préjugés. Hein. Oui, des préjugés. Voilà. Un préjugé est un surapprentissage. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il est pratiquement 5h, 17h. Donc, vous êtes encore très, très nombreux. Bravo à tous et à toutes d'avoir réussi à suivre. Et à supporter cette première séquence qui est quand même très dense, finalement. La prochaine fois, alors si j'arrive à requitter ce truc-là, hop, et à revenir. Alors, non, il ne veut pas s'en aller. Alors, attendez, j'ai perdu ma souris. Je vais y arriver. Voilà. Hop, le surapprentissage, ça marche aussi avec les nouvelles technologies. Des fois, on y a un peu de mal. Jeudi prochain, 24 novembre à 14h, nous verrons quelque chose de pas complètement nouveau, mais pas complètement différent, mais un petit peu quand même. On retrouvera nos petits chiffres mixtes avec une approche différente, avec des réseaux dits convolutifs, des neurones dits convolutifs, quelque chose d'adapté justement au traitement d'images, à la classification d'images. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on peut faire exactement la même chose sur les courbes, avec des résultats tout aussi passionnants, tout aussi efficaces. Donc, on gardera une autre famille de neurones, une autre famille de réseaux. Ce sera une séquence qui sera plus courte, de 2 heures, et qui se fera en direct de l'IBRIS jeudi prochain. Voilà. N'hésitez pas à utiliser la boîte à questions si vous avez à jouer avec ces premiers notebooks. On pouvait jouer également avec les notebooks de régression linéaire, de... polynomial, etc. Enfin, tous les notebooks qu'on a survolés très rapidement, mais qui sont disponibles sur la distribution. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, et notamment des questions de fond, c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, c'est à travers ces questions aussi que l'on progresse, et on n'est pas omniscient sur le sujet. On est loin du surapprentissage sur le sujet. Voilà.